Bonsoir Fabrice, en direct de Provins pour la première d'Interville 1996. Avec Nathalie Simon qui vous présente l'équipe de Provins et Olivier Chabonneau qui vous présente l'équipe de Montereau. Provins qui nous accueille ce soir sous la pluie, ça devrait nous porter chance. 12 000 habitants, ancienne capitale des Comtes de Champagne. Les spécialités de Provins apparaissent exceptionnellement ce soir. Quelques gouttes qui vont nous porter bonheur. Vous le savez, c'est la rose de Provins ramenée des croisades par Thibaut IV, connu par son exceptionnel, cette ville patrimoine culturel. Nous aurons l'occasion d'en parler tout à l'heure avec le maire de Provins, Alain Perfitte, avec l'équipe exceptionnelle qui est là, mon cher Fabrice. Et il paraît que c'est un heureux présage lorsque la pluie est là pour une cérémonie d'importance. Est-ce que vous êtes de mon avis? Bah écoutez, moi je ne sais pas, je ne me suis pas rendu compte qu'il pleuvait. Ah moi non plus. Je trouve au contraire qu'il fait un temps magnifique. Nous bénéficions d'un microclimat à Provins comme à Montereau, 20 000 habitants. Qui bénéficie donc d'un microclimat puisque situé au confluent de la Seine et de Lyon, oui. Château fort superbe, légende, histoire, mais nous en parlerons nous aussi tout à l'heure avec le maire de cette ville. Nous défendrons les couleurs de l'équipe de Montereau et mon cher Jean-Pierre, nous bon démarrons une nouvelle saison. Oui. Peu importe la pluie, il fait beau dans nos cœurs et on va s'amuser. Et permettez-moi pour cette première émission d'Interville de 96 de saluer notre partenaire, les supermarchés Stock, avec lequel et en association avec l'œuvre chère à Guilux Enfance en Vacances, nous allons nous associer au jeu Le Défi, le célèbre défi que vous connaissez. Provins ou Montereau, qui va gagner ce soir? J'ai ma petite idée. Eh bien, aussi à la fin de l'émission avec le magazine Télé Loisirs pour un tirage au sort en direct. Et si vous avez parié sur la bonne ville, vous serez peut-être l'un des trois gagnants qui se partageront les 50 000 francs offerts par notre partenaire. Et derrière moi, on dit déjà, on a gagné. Oui, bah nous visionnaire, pensons, sans doute. Nous pensons la même chose, mais nous savons de quoi nous parlons, c'est toute la différence. Alors, le premier rendez-vous est d'importance, puisque vous le savez, ici, à Provins, ville de tradition, vous l'avez sans doute remarqué, des personnages en costume sont à côté de moi, dites-moi, quels sont les animaux qui sont là? Alors nous avons à côté de moi un faucon sacre et un aigle bleu du Chili qui vient du Chili. Qui vient du Chili. Et vous allez voir que ce sera toute la symbolique de cette émission. Un faucon va partir tout là-haut à côté de vous. Jean-Pierre, oui. Puis-je présenter les miens? Ah ben si vous voulez. Parce que nous avons quelques belles bêtes écoutez, aussi. Avec grand plaisir. Ah ben oui. À mes côtés, des seigneurs du Moyen-Âge, un seigneur du Moyen-Âge avec ses aides. Et nous avons une buse, je crois. Tout à fait, c'est une buse de Harris, une buse américaine. Ici, à côté de moi, un aigle battleur. C'est un très bel aigle. Et puis, et bientôt, vous allez voir partir de la courtine un aigle américain, qui est l'aigle à tête blanche, le symbole des États-Unis d'Amérique et des aigles de Provins. Alors, à quand propos, vous voulez, Jean-Pierre. Merci, Fabrice, Olivier, Chabonneau, bonsoir, on est chez vous ce soir. Eh oui, bonsoir. Nous dire ce qui va se passer maintenant? Eh bien, je me trouve donc sur la réplique des fameux remparts de Provins. Vous le savez, il y a un grand spectacle d'aigle. Et à côté de moi, j'ai Philippe le Fauconnier avec un superbe aigle, Alaska, c'est son nom? Oui, Alaska. Ok, et cet aigle, bien, puisque Fabrice adore les aigles, on a décidé de lui faire passer. Et Jean-Pierre, vous allez vous le recevoir un instant après, ok? Bien sûr, alors attention, regardez. Le vol d'Alaska. Nous sommes en direct ce soir, regardez. En principe, l'aigle top, devrait on y va. Rejoindre. Enfin, regardez si c'est beau, c'est superbe. Magnifique. Regardez. Impressionnant. Et voilà, il est arrivé du côté de Fabrice. Mon cher Fabrice, oui. Ce sera tout le symbole de cette émission. Est-ce que cet aigle maintenant peut venir rejoindre le fauconnier qui est à côté de moi? Attention, un simple geste et en principe... Cet aigle d'Amérique va partir. S'il le veut bien. Ah oui, parce qu'il fait, un peu ce qu'il veut quand même, vous savez. Oui, d'ailleurs, voilà. La preuve est là. Oui. Oui, il fait tout à fait ce qu'il veut. Oui, totalement, oui. J'aimerais bien, Coco, que tu fasses comme... Pendant... Regardez. Vous avez remarqué que c'est du rasmot. Superbe. Merci à vous. Superbe animal. Merci à vous qui l'est dressé et qui êtes l'attrait de milliers de touristes qui chaque année viennent à Provins. Le premier rendez-vous, Olivier et Nathalie, racontez-nous. Nathalie. Eh bien, Jean-Pierre, bonsoir. Bonsoir Fabrice. Bonsoir à tous. Bonsoir Nathalie. Ravi de vous retrouver pour cet été. Derrière moi,
Il y a un aigle, bon, il est un petit peu curieux, hein. Il est suspendu à un fil, il a besoin de ce fil, il est tracté par quatre gros bras pour voler, c'est pas un vrai en fait. Il a vraiment une tête sympathique et il va falloir qu'il donne à manger à quatre aiglons qui sont sur des nids un petit peu à portée de la vachette quand même. Et le manger de ces aiglons sera une jolie souris. L'aigle va devoir, dans un premier temps, voler jusqu'à la piscine, attraper une souris, remonter sur le praticable, repartir et là, venir donner une petite souris à un aiglon. Alors toi, t'as pas mis ton chapeau, hein, t'es un aiglon avec la tête, voilà. Et quand les quatre aiglons auront chacun une souris et qu'ils seront chacun sur leur nid, alors là, on pourra arrêter le jeu. Olivier, est-ce que j'ai tout dit? On n'arrêtera pas le jeu puisque c'est deux manches de trois minutes. Bien sûr. Et bien si, sûr. Oui, non, s'il y a quatre souris dans les bras des aiglons, oui. Eh bien on continue, mais on ne peut pas donner deux souris au même aiglon si les quatre aiglons n'ont pas déjà une souris dans les bras, d'accord, le plus simple, c'est de démarrer, si vous êtes d'accord. C'est la première manche. Et c'est Montreux qui commence, c'est ça? Exactement. C'est normal, soyons courtois. Juste une petite recommandation, on ne comptera les souris que si les aiglons sont sur les plots. Et Nathalie a peut-être omis de dire qu'il y avait une fameuse vachette dans l'arène. Mais c'est vrai, il y a la vachette, la vraie star. Pardonnez-moi, une précision, Fabrice, je suis navré de vous interrompre déjà. Oui. Mais le capitaine de l'équipe de province souhaite intervenir pour une information, vous vous en doutez, de la plus haute importance. Au capitaine. Eh bien, sur ce jeu-là, les aigles de province, nous allons jouer notre joker. Dès le départ. D'entrée, et le joker, quel est ton prénom, joker? Alban. Alban, c'est le joker de Provins. Alors attention, nous prenons le risque de doubler les points, nous prenons le risque d'en perdre aussi. Est-ce que c'est bien noté, Olivier, monsieur le juge arbitre? C'est bien noté, mon cher Jean-Pierre. On va faire sortir la vachette et on pourra donner dans un instant le départ. On sort la vachette pour l'instant. Michel Agruma, notre maladier. Voici donc celle que vous attendez tous, bien entendu. La voilà. La voilà, la vachette. Et le jeu peut commencer. 3, 2, 1, go. Hop. Voilà. Une attaque terrible, Jean-Pierre. Oh, le vilain animal. Oh, la vilaine bête, comme c'est laid. C'est, il faut le reconnaître, la vedette d'Interville. Elle est la vedette d'Interville depuis 1962, d'Atalak et notre ami Guilux a inventé cette émission. Attention, Jean-Pierre, un aigle va tenter de nourrir un aiglon, mais non. L'animal rageux fonce sur le volatile, sur le rapace. Nous ne sommes pas bien partis, j'ai l'impression. C'est Montreux qui commence et c'est Montreux qui aura la lourde tâche éventuellement de marquer les premiers points, je vous souhaite bien évidemment. Allez Montreux, n'ayez pas peur après tout. Ce n'est qu'une baie. Mon cher Fabrice, la reine est à vous, bien évidemment, si vous souhaitez. Oh là, nous avions, je crois, je demande à Olivier une explication. Nous n'avons pas réussi à nourrir là notre aiglon. Eh bien non, puisque l'aiglon a touché la souris, mais il est tombé, et la souris est tombée avant que l'aiglon ait pu avoir la souris dans les bras, donc ça ne compte pas. Ne soyez pas trop pointilleux non plus. Il est indispensable, il faut être en effet scrupuleux, et je m'y attacherai cette saison, Fabrice, sur les règles du jeu. Oui. Pour l'instant, aucun aiglon n'a eu de souris, en revanche, une vachette va peut-être... Avoir un aiglon. Délicatement. C'est abominable. Oh là là. Oh, c'est horrible, c'est ce qu'on appelle un vol plané, sans doute. Oui. Remets ta tête, l'aiglon, remets la tête. L'aiglon. Non, mais il en a assez, l'aiglon, j'ai l'impression qu'il s'en va. Non, revenez, l'aiglon. Allez hop. Attention, une souris. Une stèle souris, où ça? Il ne regarde pas, l'aiglon. Il n'a pas l'œil perçant. Je comprends pourquoi Provins a misé son joker. C'était compter peut-être un peu sur la faiblesse de vos... Pas très joli ce que vous dites là, Jean-Pierre. Pas très beau, n'est-ce pas? Ne commençons pas à l'orée de la saison. Bête est pour l'instant maîtresse de la reine. Oui. Elle... Quel dommage. Il le fait exprès, cet aiglon, c'est pas possible. Les trois fois qu'il a une souris, il est complètement miro, permettez-moi de vous le dire. Il voit rien. Fabrice, je précise en effet que si vous avez un doute sur la façon de procéder, il est possible que vous nous donniez l'exemple, alors qu'on me fait signe qu'il ne reste qu'une seule minute pour ce premier jeu. Impossible ça. Note pour l'instant une légère faiblesse de l'équipe de notre ami Fabrice, mais je ne dis rien car je ne sais pas ce qui va se passer avec la ville. Mais enfin, il va la prendre. Ouais. De une Maintenant, il faut qu'un autre aiglon se mette sur un plot.
Un autre aiglon, alors les aiglons. Oh non, vous savez, je ne suis pas content. Hein. Le chrono tourne. Bah oui. Le chrono tourne, il reste maintenant 20 secondes. Mon Dieu, comme le temps passe. Ne vous occupez pas de la vache. 20 secondes. Ce n'est qu'un accessoire. On vous l'a expliqué. 15 secondes. Alors montrons, voyons. Il faut un autre aiglon. 10 secondes. 9. Nous sommes trahis, 8, déjà, je le sens. 7. 5. 4. 3. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est terminé. Alors, le bilan. Alors, le bilan, écoutez, Jean-Pierre, c'est Olivier. Très simple. On a bien vu, un seul aiglon a reçu de son aigle une souris. Donc, le résultat pour Montreau, une souris, un aiglon. Donc, une seule, on va voir ce que Provin va faire Olivier, dans un instant. Olivier, oui, oui, mon cher Fabrice. Je proteste. Pourquoi donc? Je ne sais pas, mais je proteste. Je sais bien que vous protestez facilement. Fabrice, oui, allez. C'est maladroit de votre part de protester gratuitement. Il y aura tellement d'autres occasions valables pour le mais faire. On ne sait jamais. Alors retenez-vous, s'il vous plaît, retenez-vous un peu de décence d'entrée. Et je ne sais pas ce que vous faites avec ce parapluie, alors que ce soir, il fait un temps magnifique. Voulez-vous plier ce parapluie immédiatement? Mais qu'est-ce que vous avez au-dessus de la tête? Ce n'est pas une auréole, que je sache. Si, c'est une auréole. C'est une auréole, oui. Bon, alors moi, j'enlève mon parapluie, vous en faites autant. Non, attendez. Pour l'instant, c'est l'équipe et les Faucons de Provins qui s'installent, encouragés par la population qui est là autour de son maire. Voilà, les souris sont à nouveau dans la mare. Olivier, est-ce qu'on est prêt? Je pense que voilà, on est en train de... L'aigle est quasiment prêt, Jean-Pierre. L'aigle, oui. Rappelons tout de même que le joker a été joué par la ville de Provins et son capitaine Marc. Donc, si Provins marque au moins deux souris, eh bien, ils emporteront 4 points. On est bien d'accord? Et oui, grâce au joker. On est prêt. On peut sortir la vachette, Michel. Top à la vachette. C'est combien d'années, ça? Oh là là, oh là là. 3, 2, 1. S'il vous plaît, Fabrice, qu'est-ce que vous avez fait à cette vachette pendant les répétitions? Mais c'est Verdun, Jean-Pierre, reconnaissez-le. Regardez-moi ça. Cette bête est mon tyrolaise. J'aimerais qu'on encourage nos héros provinois, s'il vous plaît. Pour l'instant, je ne voudrais pas vous faire de peine. On trempe. L'aigle baissait la tête. On trempe, on fait ce qu'on veut, mon cher Fabrice. Pour la première fois, l'aigle baissait la tête. Oui, une petite souris, une grande fachette en pleine forme. Oh, la brave bête! Je trouve qu'il y a inégalité de traitement. Oh non. Si. Oh non. Car à mon avis, oui. Il faudrait que, il y a déjà une minute de jeu, il faudrait qu'il y ait la... Oh là là, la même vachette. Alors, écoutez Jean-Pierre, je peux tout de suite donner la réponse. Oui. Mais bien sûr que si c'était la même vachette, la vachette serait plus fatiguée pour Provins et ne ce serait pas normal. Si, très bien, normal. Olivier. Voilà. Non, moi, ce serait tout à fait normal. Très bien, non. Une souris. Réclamation. Olivier, oui. Soyez ferme. Non, mais pour l'instant, elle ne compte pas. Elle n'est pas sur un plot. Il faut qu'à la fin du temps, elle doit sur un plot. Il reste 10 minutes. Ah non, 1 minute 30, pardon. Non, là, vous exagérez. Il reste 40 secondes. Non, c'est 1 minute 30. Il reste 15 secondes. S'il vous plaît, non. C'est bon. C'est fini. Non. Et il n'est pas question. Regardez cette tactique très particulière de l'équipe de Provins qui va d'un coup d'un seul épater l'ensemble des vaches. C'est le crépuscule des dieux, là. Une minute. C'est facile. Je vous dis une chose. Non, oui, ne me dites rien, s'il vous plaît. Du haut de notre grandeur, nous contemplons ceci. 40 siècles comptant, oui. Pour l'instant, Jean-Pierre, je vous fais remarquer que la souris n'est pas sûre avec l'aiglon sur un plomb. Non. Bravo Olivier, vous avez raison. Je rappelle que nous avons joué notre joker, c'est... C'est fini. Ah non, c'est pas fini. Si, c'est fini. Il reste combien de temps? C'est fini. Il reste 30 secondes. Mais non. Allez, Provins. Non, c'est faux. Allez, Provins. Non, c'est faux, je proteste. J'ai un chronomètre, moi aussi.
secondes. Une souris égalité. Oui, oui, regardez. 10 secondes. Non, non. 8, 7, 4, 3, 2, 6, 1, 5, 5, 2, 4, 1. 3. Je compte 2, 1. Tiens, c'est terminé. Terminé. Monsieur le juge. Eh bien, écoutez, c'est très simple. On voit qu'une seule souris est sur le plot. Donc, il y avait une seule souris également pour l'équipe de Montreux. Il y a donc match nul. Oui. Et comme vous avez joué votre joker Provin, ce qui veut dire qu'il y a un point pour Montreux et deux points pour Provin. Voilà, le score est de 2-1. Il faut quand même constater, Olivier, que c'est un match nul. Je vous poserai tout de même une question. Avez-vous bien vérifié le temps? Oui. Vous êtes sûr, Olivier? Aucun problème, vous pouvez me faire confiance, mon cher. Moi, je vous fais confiance, Olivier. Je trouve Fabrice extrêmement désagréable pour une première. Non, je suis très remonté. S'il vous plaît, regardez ces images ralenties proposées par Gilles Amado. Oui. Regardez le courage des concurrents de Montreux et de Provin. Oui. Et puis la force également de notre ami Lavachette. Alors, je prends un témoin, les millions de téléspectateurs, que peut dire que d'entrée vous êtes de mauvaise foi, ce que je trouve parfaitement désagréable. Vous avez entièrement tort. Le fil rouge, Nathalie. Nathalie, où êtes-vous et en quoi consiste exactement ce fil rouge? Je ne suis pas très loin de vous, Jean-Pierre. Je suis avec deux cyclistes, on pourrait les appeler Pégase. Regardez, ils ont des petites ailes sur le vélo. À ma droite, j'ai Jean-Luc qui va représenter Montreux. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Jean-Luc? Je suis moniteur d'éducation physique. Ah, ça va vous aider pour cette épreuve, vous allez le voir plus tard pourquoi. Et Didier qui va représenter Provin. Vous faites quoi, Didier? Alors, dans la vie? Je suis éducateur sportif. Éducateur sportif. Eh bien, ces deux athlètes vont avoir l'occasion ce soir de montrer leur talent et surtout leurs jambes. Vous voyez qu'ils sont sur des vélos. Eh bien, il va falloir qu'ils pédalent pendant 2 heures, le temps de l'émission. Et pendant qu'ils pédalent, il va leur arriver des petites choses. Parce que, regardez, on va déjà lancer le départ et vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. 3, 2, 1, top. Alors, messieurs, c'est parti. Et vous voyez que on va faire un petit tour dans la ville de Provins. Derrière nous, bah, c'est la ville qui est là, qui défile. Et dans une ville, il se passe beaucoup de choses. Des fois, il y a des embouteillages, il y a, par exemple, de la boue, beaucoup de choses qui vont se passer. Alors je me pousse, je les laisse commencer leur jeu, leur fil rouge. Et vous allez voir que quand on va revenir les visiter, ils vont être dans un sacré état et on viendra regarder combien de kilomètres ils ont fait. Allez, à tout à l'heure, messieurs. À tout à l'heure, avec la magie du fond bleu, on est en train de visiter, bien entendu, la ville qui nous accueille. Nathalie, voulez-vous, pour la première fois, courir vers le célèbre plan incliné? Voilà ce que vous faites. Avec quel plaisir. Bien. Et c'est le grand rendez-vous à gauche, en jaune, la ville de Montreux, à droite, la ville de Provins. Voulez-vous nous présenter les deux premiers concurrents? Le défi. Alors, je vous rappelle que le défi, c'est la même chose que l'an dernier. On monte sans céder les genoux, à la force des bras. La petite différence, c'est qu'on n'a plus qu'une minute. Et cette fois-ci, il y a une petite, chose qui va se rajouter. C'est que l'équipe qui va gagner le plus de défis ce soir va permettre à l'association Pas d'enfants sans vacances de recevoir un chèque de 10 000 francs offert par les supermarchés Stock. Donc, messieurs, vous avez quand même quelque chose de fort dans les mains. Tu t'appelles comment? David. Tu fais David. Quoi, David, dans la vie? La gymnastique. Ah, il n'y a que des sportifs ce soir, et toi? Mohamed. Et tu fais quoi, Mohamed? Je fais du foot. Tu fais du sport, tu fais du foot. Olivier, est-ce que tu es prêt à les réceptionner à l'arrivée? Oui, Nathalie, je suis en haut. On rappelle bien qu'on ne cède pas des genoux. On fera un premier avertissement. Okay. Et si on continue, eh bien, on sera obligé de disqualifier la ville, d'accord? Il va disqualifier. Pas d'histoire. Un point en jeu. Oh, quelle sportivité. Il se serre la main. Attention. Messieurs, allez, vas-y. Provin est sur la piste rouge. Montreux sur la piste jaune. 3, 2, 1, c'est parti. Il faut redescendre, t'as pas le droit de te retenir avec les pieds. Oh là là. Allez, Mohamed, il faut le faire. Il doit le faire. Non, attends. Il reste combien de temps? Attention, il a... Olivier, il est toujours en lice, il a gagné. Ah, on attend la minute. Il faut attendre la minute de toute façon. Provin, c'était des pieds pour redescendre. Et donc, c'est-à-dire que
on n'a pas le droit, comme vous le savez, quand le candidat glisse, il doit descendre jusqu'en bas et recommencer en bas. Provin, malheureusement, s'est arrêté avec les pieds. 1, top. C'est donc, de toute façon, Montreux qui remporte ce premier défi. Et donc, le point va à Montreux. Le score est donc maintenant de 2 pour Provin et 2 pour Montreux. Mais j'aimerais dire tout de même, vous le savez, il y a le trophée du meilleur grimpeur cette année. Grâce à notre partenaire, eh bien, le meilleur grimpeur qui aura fait la meilleure performance au cours des 9 émissions d'Interville, on le retrouvera à Paris, et ce, grâce à notre partenaire. Bien, alors, rien n'est perdu, hein. Égalité entre les deux villes, mon cher Fabrice, 2 partout, 2 pour Montreux. Bon, oui, il n'y a pas de morfin. Comment, vous avez joué votre jockey? Ah, pas là, vous plaisantez. Non, mais avant. Ah oui, mais chacun son truc. Oui, hein. Bah, c'est bien possible. Il faut savoir prendre vos responsabilités. Vous avez pris un risque, mon cher Fabrice. Et nous sommes en lice. Vous qui savez tout. Voulez-vous me dire ce qu'est l'adoubement, s'il vous plaît? Et c'était une cérémonie moyenâgeuse, si ma mémoire ne me trompe pas. Vous avez raison. Au cours de laquelle un chevalier était reçu, chevalier à coup d'estoc sur l'épaule droite et gauche, je crois, par un de ses pairs, enfin de ses futurs pairs. Et c'était la cérémonie de l'adoubement. Eh bien, c'est ce que nous allons faire, si vous êtes d'accord, c'est l'adoubement. Et notre amie Nathalie va vous présenter un petit peu le parcours que devront réaliser les concurrents de chacune des deux villes. Alors, Nathalie. C'est exactement ça qui va se passer ce soir. Il y a des écuyers ici. Il y aura 5 départs de 2 écuyers qui vont partir très très vite le long de ce plan. Évidemment, on se retrouvait au milieu de l'arène, sur la piscine. Et vous voyez 2 grosses mémères, un peu barbues, un peu poilues, qui vont les purifier avec de l'eau. C'est-à-dire qu'ils doivent être les deux pieds dans l'eau avec les deux femmes, le saut sur la tête. Dès que c'est fait, hop, ils se dépêchent. Oui. Ouais. Attention, soyez prudentes, il y a 10 émissions. Hein. Ils se dépêchent. À partir du moment où ils sont sortis de l'arène, on va compter une minute pendant laquelle ils doivent très très vite aller récupérer ceci, c'est leur chaussure de maille et leur pantalon. Dès qu'ils les ont, ils montent sur le tapis roulant. Oui. Et ils s'habillent, le tapis roulant bien sûr, pour le jeu, va, comment dirais-je, marcher. Ils s'habillent sur le tapis roulant, ils se dépêchent de s'habiller. Ah, il va rouler. Oui, il va rouler, oui. Non mais il roulera tout à l'heure. Oui, oui. Dès qu'ils sont habillés, ils redescendent. Oui. Oh là, oh là. Elle est pas un et peu ils courte. Se font sacré chevalier. Jupette, non. Hein, Fabrice, c'est pas un peu court ta jupette? Bah écoutez, moi j'ai massé. Olivier, moi, ça me choque, est-ce que j'ai rien oublié? Non, non, tu n'as rien oublié, c'est parfait. Toutes les explications sont là, on va pouvoir donner le départ, je monte sur le plan incliné. D'accord? Allez. On peut saluer quand même, Jean-Pierre, les performances des candidats qui font tout ceci dans des conditions un peu difficiles, disons-le. Et les performances de Nathalie et Olivier également. Exceptionnelles. Hein. Alors que nous sommes à l'abri. Hein. La seule chose qu'on pourrait ajouter éventuellement, c'est qu'il y a une vachette dans l'arène. Et qu'on va faire sortir tout de suite. D'accord, Jean-Pierre. On y va, on fait sortir la vachette, s'il vous plaît. Michel et la garde. Allez, Michel et François, la vachette. La vachette, oh là 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 là. Voilà, 3, 2, 1, go. C'est parti. Elle est nerveuse. Première manche, bien sûr. Première manche, un petit bain, un baptême pour cet adoubement. Précisons, Olivier, que Montreux est en bleu, hein, c'est bien ça. Montreux est en bleu, Provin en rouge. Bien, Fabrice. Bien, bien. Pour l'instant, j'ai l'impression que nous sommes en avance. Oui. Allez, Montreux. Allez, Provin. Duel de titans. Il faut s'habiller. Sur le tapis roulant. C'est infaisable. Ah, mais si, c'est faisable. C'est faisable? Vous vous déshabillez bien dans des conditions insensées vous-même. Regardez, regardez. C'est une horreur. Province, maintenant sur le tapis rouge. Et Province, pour l'instant, est sur le tapis et va mettre son pantalon avec une élégance coutumière en provinoise et en provinois. Et je sens tout de même une sorte d'hésitation. Hésitation fatale, fatale. Hésitation futale, vous voulez dire. On a peut-être la meilleure place, Jean-Pierre, vous et moi. Oui. Quand je vois ça. Je le crois. Oh oui. Mon Dieu, mais comment peut-il faire une chose pareille? Ça y est. Ça y est. C'est abominable. Alors, est-ce que, à nouveau, un autre candidat de la ville de Provins qui vous le voyez? Non, c'est Montreux, ça. Mais là, là, oui, mais c'est Montreux qui tombe, mais c'est Provins qui arrive. Qui arrive, enfin, qui arrive, mais peut-être, pas. Mais dans quel état? C'est, c'est terminé, une minute. Terminé. Terminé. Départ suivant. 3, 2, 1, top. Départ suivant. À nouveau. Bonjour la vachette. Oui. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Le malheureux. Couche-toi, mets la tête. Ouh. Voilà. Ok. Ah, le malheureux candidat de Provins. Je suis de tout cœur avec vous, là, Jean-Pierre. S'il vous plaît, les rabatteurs. On y va. Ah, le malheureux. La prochaine fois, j'y vais.
Ne dites pas des folies, Jean-Pierre, ne faites pas ça. Pour l'instant, le candidat de Montreux va tenter, mais le peut-il? Eh bien, actuellement, une partie de pêche sous-marine. Un homme est à l'eau, Jean-Pierre, un homme est à l'eau. Un homme est à l'eau alors qu'un deuxième ne va pas tarder à y aller, j'ai l'impression, celui qui se trouve sur le tapis roulant. Très difficile de faire ceci sur un tapis roulant, glissant en plus, puisque la pluie, bien entendu, n'arrange pas les choses. J'aimerais qu'on applaudisse le candidat de Provins qui a subi les assauts de la vachette parce qu'il est extrêmement courageux. Mais nous sommes de tout cœur avec lui, Jean-Pierre, mais nous, ses adversaires. Vite, combien de temps reste-t-il? Un certain temps, on me signale un certain temps, Olivier. Un passez-vous certain l'arbitre ou... 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, top! Top, départ suivant, 3, 2, 1, go! Allez. Départ suivant, la vachette observe ce qui va se passer. Vous nous avez coupé l'herbe sous le pied là, Olivier. Eh oui, vous savez, Fabrice, il y a une minute seulement pour réussir ça. La vachette regarde dans la mauvaise direction, on pourrait peut-être en profiter pour faire un petit saut dans la piscine. Eh non, eh non. Il y en a un qui ne sortira jamais de la piscine. Dépêchez-vous, le chrono tourne. Le chrono tourne. Alors qu'il y a toujours un candidat dans la piscine, deux candidats, un candidat, deux dans la piscine. Qui ne veulent plus bouger. Qui ne veulent plus bouger. Plaf. Oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Attention, vite, 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 vite. Oui, c'est bon. On a passé le premier. C'est Montreux qui est en tête, mais il ne suffit pas d'être en tête, vous l'avez vu. Il faut encore enfiler ses vêtements sur ce tapis roulant et c'est là que les choses se compliquent. Oh là là, le candidat de Provins use d'une tactique. Lui sera-t-elle profitable? Très difficile. Personne n'a réussi pour l'instant. Oui. Les encouragements redoublent, Jean-Pierre. Là, je ne dis rien car le tapis va à la même vitesse pour les deux. Qui vient de sauter l'autre? Ils ont joué il y a quelques minutes. Provins, oh là 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 là. Non, c'est mon pro. C'est mon pro, Jean-Pierre. Top. Départ suivant. Un pour Montreux. Regardez. Un pour Montreux, en effet. Félicitations, monsieur Fabrice. Non, top. Merci, départ suivant. Départ suivant. Allez-y. Top. Allez-y. Ah. Les deux hommes sont à l'eau. Oh là là, là. Elle est folle cette bête. Elle est grisée par le succès. Montreux est en tête. Montreux descend. Montreux approche. Notre ami de Provins est toujours dans la piscine. Provins prend son souffle. Provins prend des forces dans la piscine. C'est possible. Alors que la vachette tourne son regard vers vous, mon cher. Là là. Allez, Provins! Du Montreux sur le tapis roulant. Il est face à face, si je puis dire. Avec son destin, il tente d'enfiler la culotte. Mais vous le savez, une culotte résiste. Celle-ci particulièrement. Oh. Pendant ce temps-là, figé la vachette, regarde l'eau troublée oui. Dans laquelle patauge. Mais notre candidat, Olivier, surveillez ce qu'il fait, je ne sais pas. Oui, oui. Il revient. Vas-y. Allez, vas-y, profite ça, vas-y, oui. Avec cette culotte, objets inanimés, avez-vous donc une âme? Attention, le chronomètre, ah, Olivier. Et la chute. Ça, c'est terminé pour cette manche, dernière manche. Dernière manche. 2, 1, go. Il faut gagner, Montreux. Montreux est pour l'instant en tête. Montreux est en tête. 1 pour Montreux et 0 pour Provins pour l'instant. Oh, il me semble qu'on a dit go. Oh, on a dit go, mais personne ne veut go. Oh là, doucement. Mais c'est une vindicative. C'est une vindicative. Profite-en, vas-y. Ouais, c'est bon. Vous l'avez odieusement fait, regardez. Oh là. Bouchoir, Michel. Oh là, mon Dieu. Eh bien, ce candidat est très courageux, mesdames et messieurs. Oui. Il est courageux. Provins, c'est bon. Provins vient de passer. Provins va s'habiller. Provins est en tête, mais Montreux va revenir. La
Jean-Pierre, vous avez pris une avance. Oui, oui, c'est vrai, je dis rien par modestie. Oui, regardez. Avec quelle élégance. Il attaque le tapis roulant et va mettre son pantalon. Vas-y, mets ton pantalon, on en a besoin. Première jambe. Un pantalon. Première jambe. Ah là là, oh là là. Une chute. Non. Bon, un télescopage. Pas encore. Non, 30 secondes. Remonté par le côté, par le côté. Il est remonté par le côté, c'est pareil. Tous les deux par le côté. Allez, vite. Jean-Pierre. Dépêche-toi, Romain. 15 secondes. Jean-Pierre. Oui. Je vois des tentatives innommables sur des cordes disloquées. Oh, s'il vous plaît. Regardez ce qui se passe. 9. Non. 8. Oui. Allez, 7, terminé. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Il restait encore 5 bonnes secondes. Alors écoutez, mon cher Jean-Pierre, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous, car c'est vous qui avez fait le décompte. C'est pas vrai. Et qui avez donné le zéro avant même que le chevalier de Provins. C'est pas moi, c'est scandaleux. C'est le premier grand scandale de l'été. Alors, voilà. Alors écoutez, je sais bien que Jean-Pierre fait preuve souvent de mauvaise foi. Nous soulignons encore une fois là maintenant. Comme ça, je m'en vais. Non. Jean-Pierre, vous avez fait le décompte et malheureusement, quand vous avez compté zéro, le chevalier de Provins n'était pas encore venu. C'est exact. Avec l'épée. Donc, il ne peut pas être comptabilisé. J'ai les deux points de la victoire. S'il vous plaît. Oui. Alors, un peu de silence. Oui. À l'heure des Jeux Olympiques, où on chronomètre des héros à la seconde, au dixième de seconde près, on en est encore au chronométrage d'antan. C'est une honte pour la télévision de notre pays. Vous êtes le chronométeur, Jean-Pierre. Ouais. Donc, malheureusement, on ne peut pas compter ce point pour Provins. Donc, les deux points de la victoire vont pour Montereau. Et le score est de maintenant de 4 pour Montereau et 2 pour Provins. Nous irons à la haie. Nous irons à la haie. Allez-y. C'est une escroquerie. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Bah, t'as les prix qu'ils croyaient prendre. Bah, tiens, débrouillez-vous. Oui. Eh ben non. Et puis, c'est le fil rouge. On va faire le fil rouge. C'est le fil rouge. Nathalie. Alors, on rejoint Nathalie. Jean-Pierre, je crois que vous étiez perturbé. On va faire le fil rouge. Oui. Alors, vous voyez que ces pauvres candidats, quand même, ont pris de la boue. Je vois que Jean-Luc et Didier souffrent. Alors, on va regarder tout de suite, Olivier. Oui, alors... Ce qui se passe? Ah, oulala, il y a des tomates. Mais je me suis laissé dire qu'il y avait un chanteur qui était dans les parages et le public n'est pas content du tout. Ce qui est très bien, il n'y aura pas la mauvaise foi ni de Jean-Pierre ni de Fabrice cette fois parce qu'il y a un compteur. Alors, on a. Une 8-9 km pour Montereau et Jean-Luc. Et pour Provins, il y a 11, presque 12 km. Presque 12 km. Provins, pour l'instant, même la danse, on s'en va. Alors Montereau, faut se réveiller, hein, là-bas. Oui, c'est Provins, pardonnez-moi. Emporté par ces Provins qui mènent là pour l'instant, n'est-ce pas, Nathalie, Olivier? Non, écoutez, mon cher Jean-Pierre. Non, mais des précisions, s'il vous plaît. Jean-Pierre, oui. Écoutez, les précisions sont simples. Oui. Vous ne menez pas du tout. Je viens de vous expliquer qu'il y avait 4 pour Montereau, 2 pour Provins. Oui, alors, je voudrais simplement, je demande officiellement. Olivier, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Je demande officiellement à ce qu'un fonctionnaire des poids et mesures, désormais, participe à l'émission régulièrement. Aucun problème pour vous. Je vous remercie. On recommence tout, générique début. Nous sommes dans la folie. Vous comprenez bien, mon cher Jean-Pierre, c'est vous-même qui avez fait le décompte, vous pouvez vous en prendre qu'à vous. Non, l'affaire est jugée. Oh, oui, voilà. On ne commande pas une affaire jugée. Voilà. Vous restez sur TF1, vous vivez en direct, Interville en direct de... Provins, nous marquons la première pause et nous retrouvons tout de suite après, à tout de suite. Montereau pour cette première édition d'Interville 96. Fabrice, malgré les conditions climatiques.
Ben, les conditions climatiques me paraissent excellentes. Moi aussi, tout à fait. Vous le dis, Jean-Pierre, je pousse comme un légume, voyez-vous. Je suis arrosé, je pousse. Et vous allez voir que je suis sportif dans l'âme, puisque tout de suite, je me tourne vers Olivier pour lui demander un rappel des scores. Eh bien, écoutez, le score pour l'instant est à l'avantage de Fabrice. 4 pour Montreux et seulement 2 pour Provin. Mais bon, le match n'est pas gagné pour autant, Jean-Pierre, c'est vrai. Oui. Alors, là maintenant, vous allez le voir, pour la première fois dans Interville, nous allons demander à des enfants de jouer. Est-ce possible ? Eh oui, nous allons demander à des enfants de jouer et j'espère en tout cas que les enfants de Provins, l'avenir de Provins, permettra à la ville qui nous reçoit de marquer les premiers points. Nathalie, où êtes-vous ? Oui, attendez, attendez, Jean-Pierre, une seconde, Nathalie, car nous devons intervenir. Le capitaine de l'équipe de Montreux a quelque chose d'important. Vous imaginez bien sûr de quoi il s'agit. Alors, Montreux étant une ville jeune, nous jouons notre joker sur ce jeu. L'affaire est faite. Nous faisons confiance dans la jeunesse. Nous verrons si nous avons raison. Eh bien, vous savez, Fabrice, que la jeunesse... Provins est une ville jeune. Elle n'a pas besoin d'artifice pour marquer les points qui vont arriver. Vous parlez d'artifice, Jean-Pierre. Tiens, je préfère écouter Nathalie. Mais Fabrice, justement, il y avait une petite fille qui représente Provins qui me disait « j'ai un peu peur ». Je lui disais « tout va bien se passer ». C'est vrai qu'il y a 6 enfants qui représentent Provins qui sont prêts dans leur sac. À côté, les 6 enfants qui représentent Montreux. Alors vous voyez qu'ils sont dans des sacs, ils vont faire une course en sac. Suivez-moi, vous allez voir ce qui va se passer. Oui. Ils font une course en sac et bien sûr, ils contournent la piscine au centre de l'arène. Le plus vite possible, bien entendu. Hein. Elle est charmante. Sans tomber. Bien. Moi, ça me voilà. Choque la jupette, c'est un peu court. Hein. Oui, en j'aime bien. Moi. Ah, bah, non, ça me si, c'est bien. Moi, j'ai reçu une éducation. Il y a un petit short dessous. Hein. Oui. On se calme. Alors, dès qu'ils sont tous les 6 sur la roue, ils peuvent commencer à tourner la roue. Et qu'est-ce qui va se passer quand ils tournent la roue? Regardez, la roue, elle est reliée à un fil. Et le fil, il va jusqu'au château. Et qu'est-ce qu'il y a dans le château? Oui, qu'y a-t-il? Deux affreux dragons. Oh. Mais ils sont mignons quand même. Et les enfants, en tournant la roue, vont faire descendre le plongeoir et le dragon va tomber. À ce moment-là, ils se précipitent avec leurs petits camarades. Ils aident le dragon à sortir parce que bien sûr, les enfants adorent les dragons. Ah. Et dès que le dragon est sorti, on arrête le chrono et c'est l'équipe qui a sorti le dragon le plus vite et bien qui a remporté cette manche, Olivier. Exactement, Nathalie. Nous allons donc pouvoir donner le départ de la course en sac avec les enfants. On est prêt ? On est prêt. Eh bien alors c'est parti. 3, 2, 1, go ! Allez les enfants, allez ! Pour l'instant, à peu près égalité, donc peut-être un léger avantage à Montreux tout de même. Oui, un léger avantage passager. Oui, mais quand même, Jean-Pierre, regardez. Regardez. Oh là là, voilà. Oh là là, les enfants, là, vous faites pas mal. Attendez tout le monde, hein. Allez, plus vite, Montreux, plus vite. Allez, Provins, allez, Montreux, allez. On enlève les sacs une fois qu'on est à la roue. Allez, et on essaie de faire plonger le dragon le plus rapidement possible. Attention. Allez, on tourne. Top, c'est bon, les enfants. Pour l'instant, je crois que Montreux a pris un léger avantage, mais... Non, non, oh là là, on va vite des deux côtés. On va très, très vite des deux côtés. Attention. Presque à égalité, Jean-Pierre, presque. Oui. Les dragons, ne vous jetez pas, les dragons. Attention, on vous a l'œil. Pour l'instant, je... On ne bouge pas. On ne bouge pas. Il est tombé. Il est tombé, c'est nous. C'est nous. Allez, les enfants, vous l'aidez. Allez. Tous les enfants. Dis donc, là, je ne comprends pas bien. Donnez-lui c'est ça. Nous, donnez-lui c'est la corde. C'est très bon. C'est excellent. Allez, sortez-le. Sortez-le. Allez, donnez-lui la corde, les enfants. Allez, allez, encore. A sorti son dragon le premier, la queue du dragon de Provins n'était pas sortie de la piscine. Je vous rappelle que Montreux a joué son joker, donc 2 points de victoire plus 2 qui doublent du joker, 4 points pour Montreux. Le total est donc maintenant de 8 pour Montreux et seulement 2 pour Provins. Et oui, Jean-Pierre, on ne dira jamais ça, c'est l'importance dans ce jeu de la queue du dragon qui a fait la différence au dernier moment et c'est comme ça que nous avons gagné. Que voulez-vous ? Mais c'est plutôt une bonne nouvelle pour la ville de Provins car nous réservons nos forces pour les épreuves à venir et nous savons que nous sommes excellents sur la dernière ligne droite. J'aimerais, mesdames, messieurs,
vous demander d'accueillir l'homme qui nous reçoit, monsieur le maire de Provins, monsieur Alain Perfit, maire de Provins. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Je vais vous demander, en quelques mots, de nous présenter votre commune. D'abord, permettez-moi de vous dire que les Provinois sont enchantés de recevoir ce soir Interville pour sa première prestation de l'été, bien que ce ne soit pas très estival comme température. Alors, comment vous présentez Provins ? Eh bien, Provins est une ville médiévale qui a 58 monuments historiques. On en voit quelques-uns par-ci, par-là, mais vous ne les verrez pas tous. Et c'est une ville qui est très fière de ses monuments, mais qui en même temps fait des sacrifices pour les sauvegarder, pour les restaurer et pour les mettre en valeur. Alors, c'est une ville qui n'est pas seulement une ville ancienne, qui est aussi une ville qui a des entreprises de pointe. C'est une ville qui a un très bel environnement et qui reçoit de plus en plus de touristes. D'année en année, leur nombre augmente. Et viennent participer aux fêtes et aux spectacles de Provins. Il y en a pendant 6 mois, depuis Pâques jusqu'à la Toussaint, nous sommes en plein dedans, et Interville vient naturellement prendre place au milieu de ces fêtes. Monsieur le maire, est-ce que, une petite question d'histoire, on dit que le général de Gaulle regardait Interville, est-ce vrai ? Absolument. Non seulement il le regardait, mais il était un spectateur assidu et captivé. Alors, il prenait parti, il avait un camp dont il souhaitait la victoire, alors il était déçu quand son camp était battu, il était content quand son camp était gagnant. Il était bon public. Et je peux dire aussi, je peux en témoigner, qu'un soir, à Rambouillet, le général de Gaulle a raconté au chancelier Adenauer ce que c'était qu'Interville, et le chancelier Adenauer et le général de Gaulle ont conclu que ce serait bien si on faisait un Interville entre la France et l'Allemagne. Et c'est de là que finalement est sorti Jeux sans frontières, puisque naturellement j'avais aussitôt transmis à Guy Lux cette bonne nouvelle que les deux chefs d'État souhaitaient un Interville franco-allemand. Merci pour ce point d'histoire, merci. Bonsoir, comment t'appelles-tu ? Guillaume ! Guillaume, alors Guillaume va nous présenter le film qui représente sa commune, le film de Provins. Regardez, regardez car vous devrez voter tout à l'heure. Provins, à 1 heure de Paris, au sud-est de l'île de France. Ici, l'agriculture est une véritable industrie, comme le montre sa distillerie Brie Champagne Éthanol, qui, la première en France, fabrique de l'essence à base de blé. Ou encore Verneuil Semences, spécialisé dans la recherche et la production de semences de grande culture. Côté industrie, le deuxième fabricant français de verres correcteurs, la raffinerie de Grand Puy, où l'on transforme le pétrole Seine-et-Marne. Modulo, qui met à la portée de chacun l'authenticité des vieilles pierres. Mais Provins, c'est surtout un merveilleux livre ouvert qui raconte l'histoire du Moyen-Âge à travers ses 58 monuments historiques. La Tour César, la collégiale Saint-Quirias, l'église Saint-Ayoun, les remparts du XIIe siècle, la grange Audime, avec ses personnages de cire qui font revivre les foires de champagne, ou encore les souterrains qui n'ont pas livré tout leur mystère. D'avril à novembre, on peut voir des tournois de chevalerie, des assauts machines de guerre, ou encore la beauté des aigles évoluant en toute liberté. Venez aussi participer à nos fêtes. La fête de la moisson en août, la fête médiévale en juin. Provins, c'est la qualité de vie, le charme d'une cité fleurie où la diversité des services et le bon vivre rendront votre visite inoubliable. Provins, à 1 heure de Paris, pour un week-end ou pour la vie. Merci Provins, merci Alain Perfit, merci à toi. Tu voulais souhaiter une petite... Oui, je voudrais souhaiter une excellente fête à mon petit frère Thomas qui va bientôt avoir 4 ans. D'accord, très bien. Alors dans un instant, nous ferons connaissance de la ville de Montereau avec le premier magistrat de la ville aux côtés de Fabrice. Mais d'abord, un coup d'œil sur le fil rouge. Alors, où en est-on ? Eh bien Jean-Pierre, on en est que ça fait maintenant 1 heure que ces deux malheureux pédalent avec, vous vous en doutez, quelques soucis, puisqu'aujourd'hui, pour Provins, c'est Mardi Gras. Eh oui. Et on fait des crêpes et on balance la farine un petit peu dans tous les sens. C'est
Alors, je vous dis que c'est l'enfer qu'ils vivent. Hein. On en est où, Olivier? Eh bien, écoute, 19 km pour Montreux. Pas mal, hein? Pas mal. C'est même très bien. Oui. Ah. Provins, 25 km pour Provins. Ah. Allez, Montreux, allez, Didier. Je vous le disais, 25 km. Alors, merci beaucoup, Fabrice. Je vous passe le micro. Vous avez la mission maintenant de nous présenter monsieur le maire de Montreux. Mais oui, Jean-Pierre, monsieur Yves Jégot, qui est le maire de Montreux, qui est à mes côtés, qui va nous parler de sa ville, comme monsieur Perfitte l'a fait il y a quelques instants. Eh bien, tout d'abord, pour dire que Montreux est très heureuse de venir relever ce défi amical de Provins, je dirais que Provins a sorti ses aigles, mais Montreux a amené ses lions. Ah. Et on va le voir dans la compétition. Pour présenter en quelques mots, Montreux, 20 000 habitants, est une ville qui aussi plonge ses racines dans le passé, au confluent de la Seine et de l'Yonne. Vous l'avez dit tout à l'heure, Fabrice. Une ville célèbre pour ses batailles napoléoniennes, une ville au rivage de l'Île-de-France et qui développe aussi son activité fluviale. Et bien sûr, une ville jeune et une ville industrielle tournée vers l'avenir et qui ce soir va montrer sa capacité de pugnacité, mais aussi son fair-play dans cette compétition amicale. Alors j'aime vous entendre tenir ce discours, monsieur le maire. Effectivement, pour l'instant, nous sommes gâtés, belle équipe. Irons-nous jusqu'au bout, je le souhaite de tout cœur. Et puis la charmante, jolie petite blonde qui est à mes côtés s'appelle... Audrey. Alors Audrey, nous allons regarder un film qui a été fait sur la ville de Montreux. Bien entendu, tu y as participé? Un peu. Oui. C'est une ville que tu aimes, bien sûr, Montreux. Qu'est-ce que tu dirais de Montreux? Qu'est-ce que tu préfères dans cette ville? Ben, l'ambiance. Tes amis, peut-être? Oui. Oui. Oh, il y a une légère réticence, là. Es-tu une solitaire? Bon, ben, je crois que j'en ai trop demandé, là. C'est brusque, comme moi, il y a un léger blocage. Vous êtes une interview, un intervieweur exceptionnel, mon cher Oui, Fabrice. Je suis assez rude. Bon, la petite Audrey, nous allons, avec tous les téléspectateurs, regarder ce film que vous avez fait sur la ville de Montreux. Bien entendu, comme toujours, vous voterez en votre âme et conscience. Au confluent de la Seine et de l'Yonne, Montreux, première ville du sud de Seine-et-Marne, et ses 20 000 habitants préparent le troisième millénaire. À 75 km de Paris par la nouvelle autoroute Paris 3, la zone économique du confluent, avec ses 9000 emplois, trouve désormais son plein essor grâce au nouveau pont sur l'Yonne, le plus courbe de France. Une situation géographique extraordinaire au rivage de l'île de France et un riche passé qui contribue naturellement au dynamisme de la ville. Le musée de la faïence qui témoigne d'un passé économique prestigieux. La collégiale Notre-Dame et Saint-Loup qui vient de fêter son 8e centenaire. Enfin, Napoléon Ier dont la statue trône au confluent. Ne craignez rien, mes amis, le boulet qui doit me tuer n'est pas encore fondu. Cette citation de l'empereur du 18 février 1814 fut faite des hauteurs de Surville lors de la célèbre bataille de Montreux. Montreux ne manque pas de projets, notamment dans le domaine fluvial, avec en préparation un port de plaisance. Une ville jeune à l'image de son maire, Yves Jégot, qui veut faire de Montreux la capitale du sud de Seine-et-Marne. Eh bien, merci monsieur le maire, merci Fabrice. Maintenant, comme vous le disiez, il faut voter en votre âme et conscience pour l'un ou l'autre des films. Vous gagnerez également des Jojos. Vous connaissez Jojo, c'est la fureur de l'été que notre ami Guillaume tient dans ses mains là. Vous tapez sur votre Minitel 3615 de code TF1 ou vous téléphonez au 36 68 1808 pour voter, car c'est important pour l'une et l'autre des communes. Résultat tout à l'heure en fin d'émission, avant le jeu des questions, et pour vous bien sûr, les Jojos. Alors 66, je dis bien 36 66 1808, je répète 36 66 1808, mon stage à France Télécom ne s'est pas très bien passé. Alors, Fabrice, oui. Cher chevalier, voulez-vous nous expliquer ce que nous allons faire maintenant? Un tournoi de chevalerie. Ah ben c'est une bonne idée. En haut du grand plan que vous voyez, que vous allez voir dans quelques instants, deux chevaliers, un pour chaque ville bien entendu, vont se laisser glisser. Ensuite, ils vont emprunter le tapis roulant.
et sauter sur leur cheval, puis ils vont devoir effectuer un parcours semé d'obstacles. Vous allez voir cela tout de suite. Je voudrais, Jean-Pierre, simplement, et surtout je m'adresse là-haut à Olivier qui est notre arbitre. Oui. Je crois que le capitaine de l'équipe de Montreux voudrait simplement, avant l'épreuve, dire quelque chose qui vous concerne, Olivier, pour la suite des opérations, si vous le voulez bien. Très bien, je suis tout ouïe. Oui, Olivier, il faudrait que la première fois Montreux soit sur la droite et ensuite à gauche, afin de mettre les deux équipes à égalité. Écoutez, comme vous voulez, de toute façon, ça ne change rien, mais puisque vous le souhaitez, c'est ce que nous ferons, et chaque équipe reprendra ses places pour la troisième. Si chaque fois qu'on vous dit quelque chose, vous dites oui, alors bon... Non, mais Jean-Pierre... Moi, j'aimerais que les donjons soient de l'autre côté, c'est tout à fait normal, ça me semble normal. Mais Jean-Pierre, vous n'aimez pas les quitter, et que la piscine soit là, et que moi, je sois... Dans la piscine, C'est dans un souci d'équité, comment pouvez-vous dire cela? C'est accepté, souci d'équité, on changera la deuxième manche. Mais la troisième manche, chacun reprendra sa place. On est bien d'accord, Montreux? Alors, Olivier, c'est accepté. D'accord. Maintenant que tout le monde est d'accord, on va peut-être expliquer le jeu, puisque vous avez l'air d'être tous d'accord maintenant. Vous l'avez bien expliqué, Fabrice, ils vont se laisser glisser le long du plan incliné où ils sont avec Olivier. Ils se dépêchent d'accéder tout de suite au tapis roulant, si j'y arrive. Bravo. Voilà. Là, ils enfourchent leur fidèle destrier. Viens là, mon coco. Mon coco. Allez, allez. Quelle Amazon, voilà. Quelle Amazon, Bon, on aurait dit qu'il l'avait enfourché. Il se dépêche. Toujours sur le cheval. Et là, vous voyez, il y a une suite de haies tout autour de l'arène. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. 5 haies, un petit peu difficile à franchir quand on est un cheval avec 4 pattes comme ça. Oui. Et quand ils ont fait le tour de l'arène, au trot, au triple galop, et ça, Guy Luc, je crois, connaît... Ils se dépêchent d'arriver jusqu'à ces gros boudins gonflables et avec leur lance, ils touchent le cœur qu'il y a tout là-haut, je pense que vous voyez maintenant. Et ce cœur a un petit côté particulier puisque vous savez qu'ici repose le cœur de Thibaut de Champagne dans la chapelle du couvent des Cordeliers, qui n'est pas loin d'ici, Olivier. Exactement, la chapelle du couvent des Cordelières où le cœur de Thibaut le chansonnier repose. Alors, on va pouvoir lancer les chevaliers. Chez Nathalie Simon, ça se passe de la même façon, Fabrice. Hein. Oui, quand son mari lui dit « va chercher le sel », elle part en courant, bien entendu. Elle fait le tour de la cuisine, elle revient essoufflée. C'est remarquable. Mais oui, très bon spectacle. Vous semblez bien connaître. Non, mais j'étais invité. Avant de donner le départ, deux petites précisions. Il y aura trois manches. La première manche rapporte un point, la deuxième manche un point. Et la troisième manche rapporte 2 points. Alors faites attention. Et la dernière chose, il faut que les chevaux passent les 4 pattes par-dessus les obstacles, sinon Nathalie veille et l'obstacle sera repassé. On est bien d'accord? Attention! Le premier départ. 3, 2, 1, 0. On se glisse, on glisse! Ah, c'est Provins. Attention! Ah oui, c'est Provins. Qui sont forts à Provins. Ça glisse, hein? Ils se défendent, ils veulent remonter, c'est normal. Voilà. Oh, mais. Il y a une expulsion! Oui. Ce sont des jeux nautiques. Il va y en avoir une deuxième. Oui, vous croyez, c'est possible. Je crois qu'il va y avoir une deuxième. En tous les cas, Jean-Pierre, rappelons que pour les candidats, tout est compliqué. Laissez passer Provins, s'il vous plaît. Oui, joli. Joli, regardez. Regardez les quais en silence. Allez, Provins. Nathalie, les 4 pattes, hein, Nathalie. Absolument, Olivier, je suis sur place. Olivier, Non, pas Montreux. Montreux a passé que 2 pattes. Non, pas Montreux. Non, pas Montreux. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'y a-t-il? Non, que tente-t-on contre nous? Nathalie! Attendez, non! Montreux! Nous sommes en tête, oui, Montreux! Tu l'as passé deux fois, celle-là! Je ne suis pas d'accord! Tu la passes deux fois! Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas d'accord, mais je ne suis pas d'accord! Nous verrons à la fin de la manche! J'ai l'impression qu'il y a un malaise! Passe-la deux fois! Il y a un malaise! Olivier, quel a été le malaise? Ouais, c'est bon, c'est Provins, regardez! Ouais! Voilà! Ouais! Première manche! Ça n'est que justice! C'est mal passé! Première manche pour Provins, de toute façon, Jean-Pierre et Fabrice. Si Montreux avait touché le cœur en premier, ça aurait été annulé, car j'avais bien expliqué qu'il fallait que le cheval passe les 4 pattes sur l'obstacle. Ça n'a pas été le cas pour Montreux. Donc deux points pour Provins. Non, Jean-Pierre. Ce soir, décidément, la première manche... C'est normal, attendez. Il y a un point qui se balade dans la nature, on le récupère, un point c'est tout. La première manche pour Provins, nous avons changé de côté pour les deux chevaliers, et nous pouvons donner le deuxième départ. Attention, ça glisse très très fort. 3, 2, 1, go! Non,
pas vraiment le choix. De toute façon, regardez cela. C'est bon, effectivement. Ça va plus vite sur l'autre piste. Oui, là aussi, et regardez. Enfin, le résultat. Là que aussi. Tente-t-il tapis. Ralentit, il redémarre. Nous sommes en tête actuellement. Montreau va oui, joli, tête. Joli Provin. Provin, c'est remarquable. Non, les deux équipes sont au coude à coude. Et nous sommes oui. En tête. Non. Jean-Pierre. Obstruction de la part de Montreau. Il n'y a pas d'obstruction. Si, regardez, cette fois-ci, vous avez raison. Recule. Comment recule? Asseyez-vous. Vite. Allez, Provin, regardez. Et de deux. Attention. Ouais. Ah non. Et de deux pour Provin. Ça n'a pas été touché. Il l'a touché. Bien sûr qu'il l'a touché. Olivier. Mon cher Fabrice, je sais bien qu'il pleut et peut-être que vos lunettes sont embuées, mais il a touché le cœur juste devant vous. Vous croyez? Et oui. Donc, les deux premières manches vont à Provin. Oui. Mais attention, souvenez-vous, je vous ai dit que la troisième manche vaut double. Ce qui veut dire que si Montreau l'emporte, il y aura un match nul, un point partout. En revanche, si c'est Provin qui l'emporte, Provin emportera les deux points de la victoire. Oh là là, attention. Allez. Alors, Montreau, il faut y aller, hein, Montreau. Allez, Provin. 1, 2, 1, go. Oh là là. Arrivée de Montreau en tête. Oh, tête sur le tapis. Ça extraordinaire lutte. Ça n'est pas forcément la meilleure position. Oui, regardez. Alors, je regarde. Allez, Provin. Nous sommes en tête. Non, c'est bon, pas pour longtemps. Allez Montreau. Allez Montreau. Montrez-nous ce que vous savez faire, Provin. Allez Montreau, on y va. On y croit. Oh, j'en frémis. Le virage est difficile à négocier. Regardez, on est à la corde. Provin à la corde. Provin va passer devant Montreau. On passe encore. Quelle lutte fratricide. Allez Provin. Je ne conteste pas. Sinon qu'un bouquet, une gerbe de félicitations pour l'équipe de Provin. Eh bien. Alors les scores. Eh bien, les scores. Oui. Écoutez, puisque les chevaliers descendent par là, mon cher Jean-Pierre, je vais en profiter pour emprunter ce plan incliné. Bravo Olivier, quel courage. C'est donc. Vas-y Olivier. Oui. Admirable. Un micro, hein. C'est donc Provin qui a remporté les trois manches oui. du tournoi de chevalerie. Ce qui veut dire que les deux points de la victoire vont à Provin. Et le score est maintenant de 8 pour Montreau et de 4 pour Provin. On remonte. Ce n'est rien. On a encore dit notre dernier mot. Et nous allons vous quitter pendant quelques secondes, quelques minutes. Le temps pour les équipes de reprendre place pour la seconde, troisième partie, déjà comme le temps passe d'Interville. A tout de suite en direct sur TF1 depuis Provin pour Interville 96. Provin avec un public exceptionnel qui est là ici sur ce site malgré vous le constatez des conditions météorologiques un peu particulières. Bravo à vous Provin, bravo à vous Montreau. Jean-Pierre, oui. En quelque sorte nous sommes les survivants du déluge mais nous tiendrons jusqu'au bout. Au contraire ça nous stimule. Où en est-on Olivier? Eh bien écoutez, les scores sont pour l'instant importants. 8 pour Montreau et seulement 4 pour Provin. Et nous allons retrouver notre amie Nathalie
devant les spécialistes du Tour de France, Provins-Provins. Alors où en est-on là aussi? Jean-Pierre, c'est un Tour de France un petit peu spécial parce que figurez-vous que les pâtissiers de Provins et les pâtissiers de Montereau sont tous les deux en train de se battre, tous les quatre même en train de se battre, parce qu'ils croient tous qu'ils ont inventé la chantilly. Donc du coup, ça perturbe un petit peu nos candidats. On regarde Didier. On récolte un peu aussi, oui. Voilà, c'est assez sympathique. Alors on va regarder alors, le kilomètre. Alors, pour Montereau, nous avons 32,30 km. 32 km 30 pour c'est Montereau. C'est pas mal, hein, avec des ouais. chantilly dans la figure. Pour Provins, dites-nous. Pour Provins. Oui. Attention. 41 km. Ça se passe plutôt bien pour vous. Je poserai une question à Olivier, où est-il? Il est en haut du grand plan, mon cher Fabrice, en haut du grand plan. Du grand plan, oui. Au-dessus de vous, voilà. Olivier, vous êtes sûr, vous avez bien vérifié ces appareils de mesure? Ils sont parfaitement bien équilibrés. Ce sont les mêmes que sur votre vélo, mon cher Fabrice. Je peux vous faire confiance. Alors. Ah, bien sûr. Monsieur, j'ai moi-même sommé un expert en début d'émission, alors s'il vous plaît. Oui, alors, ne recommençons pas, voulez-vous, parce que je suis désolé, moi je n'ai aucune preuve de ce qu'on a dit tout à l'heure, aucune. Nathalie? Jean-Pierre? Top à la jupette, allez-y. Top à la jupette, non, il faut l'entendre. Mais qu'est-ce que vous avez de la chantilly? Oui, de la chantilly. C'est pas possible. Mais c'est terrifiant ce que vous avez là, ma petite Nathalie. C'est affreux. Serait-ce l'attaque des remparts, non? Qu'est-ce qu'on fait là? On va faire un défi, Fabrice. Oui. Ah, le défi, très bien, oui. Et je vous rappelle, alors tu viens à côté de moi, je vous rappelle que la ville qui va remporter le plus de défis ce soir permettra à l'association Pas d'enfance en vacances de remporter un chèque de 10 000 francs offert par notre partenaire, les supermarchés Stock. Messieurs, t'as l'air baraqué, toi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moniteur de sport, ça tombe bien. Et toi? Comment elle parle aux hommes. Étudiant en fac de sport. Étudiant en fac de sport. On n'a que des sportifs ce soir, vous vous en doutez. Vous avez compris, hein, pas les jambes. Sinon, Olivier disqualifie, oui, pas les et ça glisse beaucoup. Hein. Nathalie, il faut quand même leur dire, tout à l'heure, on a vu que Provins qui a glissé s'est retenu avec les pieds. Ne faites pas ça, il vaut mieux repartir du bas afin de ne pas être disqualifié. On est bien d'accord? Une minute, on lève les jambes. Lève tous les deux. Lève les jambes, Montereau. Le départ, Nathalie. Allez, maintenant. 3, 2, 1, go! Effort considérable dès le départ. Effort titanesque. Et bien entendu, les conditions. Ah, oh pardon, excusez-moi, je retire le A. Les jambes, levez les jambes, Montereau. Levez les jambes, Montereau. Montereau. Non, non, non. Provins, prends ton temps. Provins, prends ton temps. Il faut redescendre en bas, Montereau. Hein. Provins, prends ton temps, ne prends pas de risque, Provins. Il faut redescendre en bas. En bas, voilà. À mon avis, Provins. Et on lève les jambes. Provins peut éventuellement. On lève les jambes. Montereau, lève les jambes. Montereau est en train de revenir. Ne soyez pas de mauvaise foi, Montereau, reviens. Joli Provins, joli, pas de risque. Tiens le coup, mais Montereau. Allez Provins, il faut y aller là maintenant. Avec un courage. Ah, oh, malheureux. Mais arrête-toi, Provins. Provins, il faut s'arrêter. Il malheureux faut s'arrêter, enfant. Provins. Passe devant Montereau, tu peux encore gagner. Je le sens. La définition de l'optimisme par Fabrice. Combien de temps, Provins ne bouge plus. Combien de temps? Combien de temps, Olivier? Eh bien, il reste quelques secondes. Oui, c'est que ça fait quoi, quelques secondes? Eh bien, c'est fini. Top! C'est Provins, un point supplémentaire. Exactement, un point supplémentaire pour Provins. Je vous rappelle qu'il y aura un trophée du meilleur grimpeur du défi. Et grâce à notre partenaire, il sera invité à la finale au Champ de Mars. Au mois de septembre, donc un point supplémentaire pour Provins. Le score est donc maintenant de 8 pour Montereau et de 5 pour Provins qui se rapproche. Oui, mais alors là, il y a un suspense évidemment intéressant pour les téléspectateurs. Mais tout de même, je me demande ce qui va advenir dans quelques instants, parce que là, nous avons une faiblesse évidente. Évidente. C'est le commencement de la fin. Je ne le pense pas. On vous laisse simplement un peu d'espoir. Nous sommes urbains, c'est tout. Racontez-nous un peu ce que nous allons faire avec ces remparts maintenant. Eh bien, c'est très simple. Il va y avoir des attaques. Ah. Des attaques des remparts afin de délivrer Dame Catherine. Mais bien entendu, vous l'imaginez, l'attaque sera compliquée par toutes sortes d'obstacles. Et l'équipe qui aura délivré le plus rapidement Dame Catherine aura gagné, si j'ai bien compris. Oui. Maintenant, il peut y avoir beaucoup d'aléas qui vont nous être racontés, je suppose, par Nathalie. Par Dame Nathalie. Dame Nathalie. Vous supposez très bien. Damoiselle Nathalie, pardon. Damoiselle Nathalie est là au pied des quatre écuyers. Et regardez ce qui les attend, les quatre écuyers. Il faut qu'ils se dépêchent de nouveau. Tout se fait en courant, hein, sur Interville, vous l'avez remarqué.
ils prennent des troncs d'arbres. Regardez la taille de ces troncs d'arbres. C'est monstrueux. Avec les troncs d'arbres, joli, Nathalie, le long joli, joli. Plan incliné. Ouais. Et là, glissade. Ça glisse. Et là, si j'y arrive. Oui, là, ça devient délicat. Bravo. Et là, avec toujours le rondin, parce que moi, j'ai rien, c'est facile. Ils vont aller sur le tapis roulant, se dépêcher. Bien sûr, le tapis roulant va être un petit peu dans tous les sens. Et là, avec le tapis, avec les rondins, il faut qu'ils aillent jusqu'au pont-levis. Vous voyez le pont-levis? Il est baissé, il s'accroche au pont-levis. Quand les trois... Oh non! C'est infâme. Oh, c'est... Non, c'est une femme. C'est une femme. Ah non, oui, mais il n'y a plus de chantilly. Il n'y a plus de chantilly, quand c'est même. C'est abominable. Oui. Oui, alors elle n'a plus de micro, elle n'a alors plus là... rien. Bon, alors là, il va leur arriver certainement des aventures comme les miennes. Il faut qu'ils s'accrochent au pont-levis. Quand le quatrième sera accroché tout en haut du pont-levis, le pont-levis descendra. La princesse, sur son cheval, va peut-être pouvoir sortir. Mais... avec les rondins, ils vont faire un radeau de fortune. Et elle va passer comme ça, comme elle peut, en Amazone, sur son cheval. Et le top s'arrêtera quand elle sera dans les bras de son prince charmant. Eh bien, dites-moi, c'est après ça. Ça. Pauvre Nathalie. Olivier, qu'est-ce que vous faites sur cette chaise? Eh bien, écoutez, je suis là à même l'action afin de pouvoir juger dans l'arène, vous le savez... J'espère que la vachette sera conciliante. On va débuter tout de suite. Oui, c'est peu probable. C'est pas le cas ce soir. On va commencer tout de suite par Montreau. Il y a quatre départs. On est bien d'accord, Montreau? Oui, on est prêt. C'est Montreau qui commence. Hein. On commence par lâcher la vachette. Oui, on lâche la vachette. Allez, François. La vachette. Et Michel. Allez, la vachette. La vachette sort. Petit. Caractère, hein. Oh là, elle est belle. Allez, on y va. 3, 2, 1, go. Oh, elle est belle. Elle est belle, mais elle est vive. Voici donc, pour l'instant, c'est un candidat de quelle ville? C'est Montreau. Montreau, que l'on encourage, Montreau. Fabrice, il y a un moyen simple pour que vous ne vous trompiez pas. Lorsqu'il y a écrit M, c'est Montreau. Hein? Ah bon, vous lisez couramment maintenant, Jean-Pierre? M, c'est Montreau. C'est un moyen extrêmement simple. Attention pour l'instant. Oui. Tel l'heureux hanté qu'il passe. Sûr de lui, élégant, fier. Fier de sa race et de ses responsabilités. Il est en train d'attaquer le château fort. Regardez ce crawl. Digne d'un champion olympique, il monte à l'assaut. Oui. Oh, quelle allure, mon Dieu. Il monte, il est là. Il pense à sa belle. Il va la rejoindre. Pendant la foule est en délire. Oui. Pendant ce temps, un deuxième. Ah oui, un deuxième. Équipier de Montreau. Oui, aussi. Continue. Il va essayer de libérer lui aussi sa belle. Oui. Tout en... C'est moral au fond. Ce tronc d'arbre, oui. C'est très moral, regardez. Voici donc le deuxième pieu qui est en quelque sorte levé par le héros qui parcourt la lice. Et qui arrive devant le château. Il devient fou. Alors que son camarade... Excusez Fabrice qui perd la boule. Et le candidat qui perd l'arbre. Et perd la boule en même temps, on ne sait plus. Alors que l'arbre est accroché au filet, ne veut plus bouger. On recommence au début. Voilà. Il recommence. On recommence au début. Eh bien, bonsoir. Ah non, oh, le... oui, d'accord. Il est sur le tapis roulant. Il avance. Oui, il plonge que c'est beau. Attention, préparez-vous à un départ suivant. Oui, départ suivant. Top. Oui, c'est bon, il est sur le filet, le troisième. La vache est sautée, si oui. J'ose m'exprimer ainsi. Assez rapidement par ce candidat. Et par un saut, une élégance rare au-dessus de la bête. Il passe, elle voilà. Charge. Mais elle charge en vain. Il n'a pas bronché. Il est là, je le vois. Il s'élance. Quand le paillonne, c'est quand le paillonne. S'il vous plaît, qu'on le paillonne. Bien sûr. C'est beau comme l'antique, Jean-Pierre. Regardez. Oui, vous avez regardé. Si, regardez. Regardez bien. C'est la chute, c'est la ça, chute d'Icare, peut-être. Non. C'est pas mal. C'est... Oh là. Neptune. Neptune actuellement. Neptune se débat. Il atteint le filet départ. Top départ. Jean-Pierre, vous êtes près du chronomètre. N'ayez pas peur, mon vieux. Je surveille. Elle ne s'occupe pas de vous. Je surveille. Vas-y. Ne l'excitez pas. Allez, vas-y. Allez-y, c'est ah un... Ah non, on perd du temps, là. Il a tout traversé, là. On perd du temps. Regardez comme c'est facile. N'ayez pas peur, elle s'en fiche. Avec ses cornes. Non, elle est une bête assez... Elle est un caractère obtus, quand même. Hein. Oui. Oh là là, vous oh là là. Vous pouvez y oh aller, là, ne vous occupez pas d'elle. Et non, allez-y, elle est... Allez-y, oui. Allez-y. Non, mais oh. Elle s'en fiche. Non, non,
s'en fiche. Elle s'en fiche, la bête. Non, non, mais attendez. Voilà. Bravo. Elle est achetée, cette bête. Mais pas du tout. Nous vivons la chanson de Roland pour l'instant. Regardez-moi ça. Oh, oh oui. Quelle aisance. Souplesse du jarret. Élégance du style. Retenue dans l'effort. Et enfin, le bonheur, l'extase. Me dis-je, Nirvana. Il est là, il va toucher le filet. Il le touche pour Montreux. Oh, que c'est beau. Mais que font-ils accrocher, me direz-vous? Qu'on aille chercher la camisole, s'il vous plaît. C'est l'homme à l'imperméable noir, messieurs. Et que font-ils maintenant, et Olivier, font maintenant que doivent-ils faire? Eh bien, ils essaient d'ouvrir le pont-levis, puisque la princesse est dans le château. Ça y est. C'est magnifique. Plus vite, messieurs. Mais pourquoi y en a... Oh, un homme à chute. La belle princesse. Oui, un homme à chute, mais qu'importe. Maintenant, ils doivent concevoir un pont avec les rondins. Un pont avec les rondins. J'en espérais pas tant. Et non pas. Et non pas, et bien sûr, et non pas. Évidemment, évidemment. Regardez, oh là, oh là là. Si proche du but, Fabrice. Attention, la vachette me regarde. Si proche du but, Fabrice, je suis navré pour vous, mais cette situation est... Attention, Olivier, oui. Chabaudot est en danger, la vachette est au pied. Oh là, doucement, Olivier, doucement. Et si. Bien, la bébête, bien. Pour l'instant, la Montreux, on se dépêche. On y croit, on se bat. 8-0 à la mi-temps, ça se remonte. Alors qu'est-ce qui se passe avec ce je ne sais pas, il menace sous le cheval. La belle, tu vois, un divorce. Mais plus la vite, là, la dame Catherine, enfin, écoutez tout de même. Oui, pas mal. Élégant. Oh non, bon, regarde, on va, non. On dirait un œuf au plat. C'est un sport équestre assez discutable. Top. Le chronomètre officiel, Jean-Pierre. Combien? 15 secondes. 4 minutes 58. Je dirais pour simplifier 5 bonnes minutes. Mais non, mais pas du tout. Bon. Olivier, dites quelque chose. 4 minutes 58 secondes pour Montreux. Provins va pouvoir débuter dans un instant. Nous allons remonter le pont-levis. Et oui. Et nous garderons la même vachette. Pas mal. Pas mal, mais... Pas mal. Non, on la garde, Michel. Oh là là. On la garde. Vous parlez mal, le vachette, Olivier Chiabaudot. Voulez-vous la rappeler, s'il vous plaît? Elle va se faire une petite toilette, elle revient. Un petit raccord maquillage pour la vachette. Quelle est cette magouille qui se prépare avec la vachette? J'aimerais être tenu au courant. Aucune. À propos de magouille, mon cher Fabrice, j'aurais peut-être, à l'issue du jeu, quelque chose à vous dire. Ah oui? Parce qu'il y a quelque chose que je trouve intolérable et que, bien entendu, vous n'avez pas relevé. Oh, certes, j'ai noté vos envolées lyriques, vos références à la chanson de Roland et autres. Mais sur le plan pratique, je suis profondément scandalisé et atteint. Je vous le dirai dans un instant. J'aimerais maintenant d'abord que monsieur, qu'est-ce qui se passe? Oui. Bonjour monsieur. Il y a un monsieur avec une casquette. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Qu'est-ce qu'il veut? Comment? Ah, tu veux dire. Non, mais non. C'est monsieur Guilux. Qu'est-ce qu'il y a, Guilux? Qu'est-ce qu'il veut? Guilux. Enfin, Guy, je vous invite, vous n'avez pas le droit. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Guilux est de mon avis. Nous ferons réclamation tout à l'heure. Mais vous n'avez pas le droit. Attention, Olivier, c'est parti. 5. On lâche la vachette. La vachette. Jean-Pierre. Le fil rouge. Ah oui, le fil rouge d'abord. Attendez. Trahi par les anciens. Nathalie, le fil rouge. Jean-Pierre, vous m'oubliez. Jean-Pierre, je suis au fil rouge et j'attends de vous faire un petit point. Vous m'oubliez, vous me négligez. Ça ne va pas du tout. Alors vous voyez qu'ici, ils ont un petit peu chaud et ils se mouillent. Alors moi, j'en veux pas, j'en ai assez. Ça suffit. Je vous rappelle que ça fait quand même 2 heures que ces deux candidats pédalent inlassablement. Et on va regarder combien de kilomètres ils ont fait. Alors Montreux, on est à 41 kilomètres. Pas mal. Provins. Et Provins, à Provins Jean-Pierre, 51 kilomètres. 10 kilomètres de plus. 10 kilomètres de plus et ça pédale inlassablement sous les intempéries du moment. Eh bien... Olivier, puisque la vachette est là, nous sommes prêts à assister au spectacle. Olivier, je demanderai d'être extrêmement attentif parce que je sens des manœuvres de toutes sortes actuellement. Écoutez, je suis surtout très attentif à la vachette qui, j'ai l'impression, est un peu le béguin pour moi. On va pouvoir débuter, c'est la même vachette pour Montreux et pour Provins. C'est normal. Le premier départ pour Provins, 3, 2, 1, go.
je ne ferai pas de commentaire. Sinon que, très gentiment, la Vachette nous offre un spectacle de qualité, un spectacle digne de la ville qui nous accueille, Vas-y, de Provins, qui, vous l'avez remarqué, a démarré tout doux, mais maintenant... Cette bête me ravit, Jean-Pierre. Oui, cette bête est très désagréable. Non, elle joue, elle choisit son camp et elle joue en son âme et conscience. Je pense que nos amis de Provins devraient faire montre d'un peu de courage, comme nos amis de Montreux, sinon je vais être obligé moi-même d'aller dans l'arène. Ah non, je ne veux pas. Bon, d'accord. Ne faites pas ça. Ce qui est dit est dit, d'accord. Vous avez une famille, Jean-Pierre. Oui, c'est exact. Alors, allez vite, on récupère maintenant. On encourage, s'il vous plaît. On encourage nos amis de Provins. Premier tronc d'arbre. Hop. L'épreuve du tapis roulant. Oh oui, c'est délicat. Le tapis roulant qui... Oui, je ne dis rien sur cette histoire de tapis roulant, mais là aussi c'est proprement scandaleux. On a l'impression qu'elle est favorisée. Allez, Provins. Non, c'est une cabale. Pas du tout. C'est une réalité. Non. On dirait un cœur de palmier. Non, j'irai pas manger chez vous. Et voilà, regardez, il n'y a pas de rondin. Il faut aller chercher le rondin, dépêchez-vous. Le chrono tourne. Olivier, je lui demanderai d'être très attentif. Je le répète, des manœuvres sont en cours. Il n'en est pas question, mon cher Fabrice. Je compte sur votre intégrité, je la connais. Quand le rondin tombe, il me semblerait qu'on devrait arrêter le chronomètre. Non. Ça serait plus logique. Mais vous plaisantez, vous perdez du temps, c'est tout. Encouragez notre ami de Provins, il n'y a aucune raison. Là maintenant, je suis certain que malgré ces quelques déboires passagers, voilà. Allez, le filet, on se dépêche de filer. Top, c'est parti. Tire-moi cette vachette. Allez, top, vas-y. Passe par-dessus la vachette. Ou si tu as un problème, passe par-dessous. Ouais, c'est bon. Non, c'est pas bon. Reviens à la piscine, il faut prendre un tronc d'arbre. Joli, regarde. Allez, Provins, on encourage, on applaudit notre ami qui fait partie de l'équipe de Marc Billon, qui est professeur de PS, avec Francis Sanson, l'entraîneur qui vient du Gers. Foie gras devrait vous aider à vous envoler vers la victoire. Attention. Cette bête est impressionnante. Oui. Le candidat aussi. Oui, mais il a du mal tout de même. Moi, je vous signale que je suis en train de regarder le temps. Vous êtes mal parti. On est mal parti, mais il y a quelque chose qui est scandaleux. Je le garde pour la fin. Attendez, Fabrice. N'essayez pas des manœuvres dilatoires, voulez-vous ? La France vous regarde. Vas-y, Provins. Allez, Provins ! Fabrice ! Oui. Oh là là, Olivier, la vache. Ouais. Voilà. Joli. Attention. Combien de temps? Top départ. Jean-Pierre, vous n'avez pas le droit de donner des tops avant. Je n'ai rien dit. Oui, alors là, moi, je porte réclamation. Ce que vous voulez. Nous sommes à 3,25, donc largement dans les temps. Vas-y, Provins, largement dans les temps. Il y a 4,58 à battre. Il faut mettre un peu moins de 4,58 pour l'emporter. Plus que ça. Non, n'essayez pas. Je répète, on est à 3,25. Bon, depuis le temps, ça fait 4. Attendez. Présentez. Vite, on revient. Non. Olivier, je compte sur vous pour le chronomètre. Il n'y a pas de problème, ce sera... Comment il n'y a pas de chronomètre? Nous sommes à 4 petites minutes. Mais vous plaisantez, non ? 4 toutes petites minutes. Enfin, vous rigolez ? 4 toutes petites minutes. Non. Ouais, c'est bon. Vite, attention. Allez, on se dépêche. Attention. Olivier. Top départ. Olivier, attention. Top départ, on l'a dit. Top départ, vas-y. On est proche du but. Vas-y. Non, le temps est dépassé de toute façon. Le temps n'est pas dépassé du tout. On en a combien ? Dans la piscine. Oui. 4,30. 4,58. Vite. Vas-y. Je regarde les 28 secondes. Allez. Non. Toujours 4,30. On dirait que le temps s'est figé. Non, c'est de la tricherie. Le temps s'est figé pour Provins. C'est terminé. Bonne nouvelle. Non, le temps est terminé. Nous avons chronométré. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Non, attention, faut pas écouter.
minutes, Fabrice. Comment? Où en est le chronométrage officiel? Bon, c'est zéro, le chronométrage officiel, oui, c'est passé. C'est terminé. Je suis pas d'accord. Le je... temps est dépassé. Non, non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord non, mais parce vous que plaisantez. J'aimerais. Non, 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 Fabrice. Oui. Je suis désolé. Je suis désolé. Mais je le comprends. Mais les troncs d'arbres, au début, étaient secs. Ils trempent depuis des minutes et des minutes, depuis 4 minutes 58 pour la ville de Montereau. Et nous, on trimballe les troncs d'arbres chargés d'eau. Ça n'est pas normal. Alors, écoutez, ça, non, c'est insupportable. Vraiment, je crois que ce alors, ça n'est pas normal. Alors, ça suffit maintenant. Restez où vous êtes. Non, non, donnez-moi un tronc d'arbre. Gorgé d'eau, des kilos supplémentaires pour la ville de Provins, qui n'a pas mérité ça. Oh ben, c'est une honte. Nous sommes trahis. Tiens, tiens, pas le droit. On est obligé de s'y mettre à plusieurs pour transporter. C'est vas-y, normal. Fais croire que c'est lourd. Allez, regardez ça. Je ne peux même pas moi-même, qui est une force herculéenne. J'ai du mal. Mais non, non, mais pas du tout. Non, c'est pas normal. Non. Là... J'en appelle au Dieu. Non, mais. Enfin, mais... je le dis à la joie, regarde la France dans les yeux. Non, mais écoutez. Pouvons-nous tolérer. Mais tronc d'arbre, montrez-nous un tronc d'arbre. Regardez. Voilà. Ils sont gorgés d'eau. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, bonjour. Monsieur, j'étais là avant vous. S'il vous plaît. Alors, monsieur, je vous en prie. Ils sont gorgés d'eau. Ils sont chargés de kilos supplémentaires. Et ça n'est pas normal. À propos de charger de kilos supplémentaires, permettez-moi de vous dire... C'est une attaque personnelle que je ne supporte pas. Non mais, monsieur... Monsieur, je ne répondrai pas pour respect pour vos cheveux blancs. C'est pas ça. Non, Fabrice, je respecte trop les cheveux blancs, Fabrice. Je ne vous parle plus. C'est terminé. C'est très simple. Les troncs d'arbres ont été passés à la résine, donc ils ne prennent pas l'eau. Jean-Pierre, oui. C'est une mauvaise foi, je suis désolé, ils ne prennent pas l'eau. Les deux points de la victoire et pour d'ailleurs, monsieur Perfit est de mon avis, et d'ailleurs, oui, vous mais... n'allez pas mettre en doute les propos du premier magistrat de la ville. Non, hein? Je sais bien, mais écoutez, alors... n'insistez pas, Jean-Pierre. Je suis désolé, la résine n'empêche l'eau d'aller dans le tronc d'arbre. Soyez bon joueur. Donc les deux points de la victoire, non, ne me touchez pas, ouais. Pour Montereau, s'il vous plaît. Ah, 10 ah pour Montereau et 5 pour Provins. Bon. Ok. Ah. Non, non, je me calme. Non, je me alors, calme. Maintenant, vous remontez, Jean-Pierre. Oui, voilà. Ça va. Ah, Jean-Pierre, retournez là-bas. Voilà. Alors, voulez-vous j'ai répéter le score? Le score est donc, je répète, le score est de 10 pour Montereau et 5 pour Provins. Voilà. Alors, pour calmer les esprits... Oh, c'est pas normal. Pour calmer les esprits, si vous m'entendez, Jean-Pierre oui, et Fabrice, pour calmer les esprits, oui. Nous allons arrêter le fil rouge. Nous allons arrêter le fil rouge tout de suite, alors. Bien sûr. Messieurs, stop. Stop au fil rouge. Attendez. Attendez, s'il vous plaît, là, en effet, c'est très important, Nathalie, car nous allons faire les comptes du fil rouge. Exactement. Je trouve que Jean-Pierre, ce soir, fait preuve d'une mauvaise foi qu'il n'a jamais eue avant. C'est vrai. Hein, je ne sais pas ce qui se passe ce soir, si c'est la pluie. On commence donc par Montereau. Vous savez pourquoi j'ai mangé chez vous à midi, ça m'a énervé. Ah ben voilà, c'est ça. Et ça m'a, je suis encore tout barbouillé. Oh ben alors là, écoutez. On commence par Montereau, avec Didier. Avec Didier, qui c'est a pédalé donc c'était pendant... C'était pas très frais, hein. Moi je l'ai noté. Deux heures. Oh là là, 2 heures. Didier, votre profession, Didier. Tout va bien. Non, votre profession, je disais, oui, monsieur, tout va très tout bien. Va bien. J'ai pas entendu. C'est l'effort. Je suis moniteur de sport dans la police. Dans la police à Montereau. Dans la police, très bien. Donc... Eh bien, on dit, Didier, tu as fait pas mal de kilomètres aujourd'hui. 46 kilomètres pour mal, Montereau. Pas mal, pas mal. Et pour pas Didier, mal, qui mal, ne sait plus où il habite, j'ai l'impression. Pas mal. C'est Jean-Luc. Ah, Jean-Luc. Didier, c'est lui. Non ah, Didier, c'est lui. Mais voilà. Bon, Jean-Luc, t'as quand même bien bossé ce soir. 46 kilomètres. Pour Montereau. C'est super. Alors, bon, Didier. Attention. C'est toi, Didier. Provins, Didier. Pour Provins. Alors, Didier, ta profession? Éducateur sportif. Ah, bah dites donc. Que des sportifs ce soir? Eh bien, c'est très simple. Pour Provins, 57 km. Un point donc du fil rouge est attribué à Provins. Le score est donc maintenant de 10 pour Montereau et 6 pour Provins. Ce qui n'enlève rien à leur... Rien n'est joué. Rien n'est joué. Je vous rappelle qu'il y a d'autres épreuves. Et je vous rappelle aussi qu'il y a le jeu des questions à la fin de l'émission qui peuvent remettre tout en question grâce aux personnalités de la ville autour de leurs maires respectifs. Nous allons marquer, je vais essayer de retrouver ma voix, mon cher Fabrice. Oui. Je vais quand même venir vous serrer la main car certainement, je regrette oui. un peu ce que j'ai fait. Pas tout,
Oui, je regrette. Oui, bah écoutez, on en parlera tout à l'heure après l'émission, comme d'habitude. On marque une courte pause. Nous nous retrouvons tout de suite après en direct de Provins pour Interbeat 96. Interville 96, première ce soir, en direct de Provins avec un match qui oppose la ville de Montereau, défendue par Fabrice, et la ville de Provins. Pour l'instant, c'est Montereau qui mène, mais vous le savez, rien n'est fait, car dans un instant, Fabrice en assistera au jeu des questions. Et puis, il va falloir, Nathalie et Olivier, assister au dernier défi pour faire les comptes. Exactement. Et oui, il va falloir assister au dernier défi, mais il manque un candidat, là. Je rappelle. En attendant, Jean-Pierre, je voudrais vous rappeler le score, car c'est très important, avant le dernier défi, le score est pour l'instant de 10 pour Montereau et seulement 6 pour Provins. Il y a un point en jeu pour ce troisième défi et un point en jeu pour les films, n'oublions pas avant les questions. Alors, est-ce que vous avez trouvé votre candidat? J'ai récupéré mon candidat, mais t'étais où, toi? Allez. T'es en coulisses. T'étais en coulisses, il ne faut pas dormir pendant l'émission. Tu t'appelles comment? Denis. Denis, alors Denis, il va falloir avoir la pêche ce soir, tu fais quoi dans la vie? Sapeur-pompier professionnel. Sapeur-pompier professionnel, je pense qu'il a des gros bras. Et toi? Stéphane, étudiant en classe prépa. Étudiant en classe prépa. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Vous vous mettez en place. Nathalie, il faut rappeler pour le trophée et pour le jeu pour les enfants sans vacances qu'il y a pour l'instant un défi remporté par Montereau et absolument un défi pour Provins. Donc ça va être déterminant, Olivier. Tout va se jouer ici. 3, messieurs, 2, 1, c'est parti. Allez, Montereau. Ne cède pas les gens. Terrible combat. Plutôt, il dormait en coulisses, mais il a la pêche. Hein. Oui, ah ben, il faut peut-être pas mieux dormir. C'est pour l'instant Provins qui mène. On ne prend pas de risque à ce niveau du jeu. Chaque point compte, vous le savez. Montereau, attention les genoux. Hein. Oh, il a les genoux très bien. Montereau, attention les genoux. Montereau, attention les genoux. Qu'est-ce qu'ils ont, ces genoux, je vous en prie. Provins, en effet, reprend des forces. Tu as bien raison. Car, aïe. On encourage Provins. On manque de points. Allez, Provins. Allez, Montereau. Allez, Montereau. Attention, il reste 20 secondes. Oui, mais c'est la vie. Et c'est terminé. C'est terminé. C'est donc Montereau. Attendez, il reste encore 5, 6 secondes. 8 secondes. Oui. Attendez, voilà, Olivier, vous avez dit c'est terminé à 53 secondes. Non. Attendez, oui, c'est à l'image, là. Là, c'est très grave. Hein. Le récepteur, il y avait écrit 53 lorsque vous avez dit c'est terminé. Tout à fait. Je vous explique, Jean-Pierre. Oui. Le candidat de Provins s'est en fait un petit peu mal en descendant. Oui. Il a décidé d'arrêter. Il est en bas. Voilà pourquoi j'ai dit que l'on arrêtait. Parfait. Que je déclare donc Montereau, la ville vainqueur de ce troisième défi. Un point de plus pour Montereau, 11 pour Montereau et seulement 6 pour Provins pour l'instant. Bravo. Bien. Voici maintenant, combien vous dites, 11 à 6. Hein, 11 à 6. Jean-Pierre, oui, j'aimerais vous rappeler que grâce à la ville de Montereau, eh bien, l'association Pas d'enfants sans vacances de Guilux, dont vous voyez le numéro de téléphone, je pense, s'inscrire en ce moment à l'écran, eh bien, reçoit un chèque de 10 000 francs. Et à chaque émission, à chaque interview, tout l'été, ils vont avoir 10 000 francs, ce qui fera un chèque de 100 000 francs qui sera remis à l'association lors de la finale à Paris. Merci beaucoup. Voici maintenant le résultat des films. Le résultat des films, vous avez été très très nombreux ce soir à téléphoner après avoir visionné les films. La ville de Montereau a reçu 2923 appels. 2923 appels pour Montereau. La ville de Provins, 6432. Jean-Pierre, eh bien, oui. Maintenant est de 11 pour Montereau et un point de plus pour Provins, donc 7, 11 pour Montereau, 7 et pour Provins. Je suis heureux de t'offrir ce Game Boy, la cassette Un Indien dans la ville et les JoJo's que tu as bien mérité. Guillaume, c'est ça? Oui. Bah, félicitations pour ton film, car plus de 6000 appels pour la ville de Provins. Alors, c'est à vous, mon cher Fabrice, selon la règle de commencer à BBA. C'est vous qui êtes en tête, donc première question pour vous. Alors, évidemment, Jean-Pierre, la situation est assez délicate, vous l'imaginez, parce que malgré tout, le score est relativement serré. Tout peut changer. Tout peut changer au cours des questions. Monsieur le maire, vous avez une lourde responsabilité, car vous devrez choisir le score, bien entendu, 3 ou 1,
Et vous devrez choisir, bien évidemment, la catégorie. C'est celle-là, non? Oui, c'est ça. Dans laquelle vous allez être interrogé. Alors, je rappelle, Jean-Pierre, je vais peut-être avoir besoin de votre aide, là. De toute façon, il y a Olivier. Il y a actualité, art et culture, sport. Et histoire géographie. Ça fait 4, hein? Eh bien, oui, 4 possibilités avec deux questions. Deux questions, la première et la deuxième. Parti. Et 3 ou 1 point qui sont déduits, bien entendu, si on ne répond pas. Et c'est là qu'il y a une méchanceté rare, car tout peut basculer une justice grâce ou à cause, n'est-ce pas, de cette finesse. Votre responsabilité, monsieur le maire, est considérable. Alors. Pardon ? Vous voulez mesurer ? Très bien, bah alors, maintenant qu'elle est mesurée, quelle est votre décision ? Alors, pour la première question, nous allons prendre 1 point. Prudence, alors, prudence. Oui. Dans quelle catégorie ? Et dans la catégorie histoire-géographie. Histoire-géographie. Quelle enveloppe ? La première ou la deuxième ? La deuxième enveloppe. Bon. Voilà, mon cher Fabrice. Bon, je vais donc vous lire la question. Je suis pas petit. Oui, vous êtes bien aimable. Parce merci. Que, bon. Histoire, géographie. Écoutez-moi bien. Jacques Coeur, homme d'affaires, né à Bourges en 1395, homme d'affaires entre guillemets, bien entendu, fut grand argentier du roi. De quel roi ? Alors, vous allez, je crois, avoir sur l'écran différentes réponses. Henri IV, Charles VII, Louis XI ou François Ier. C'est faisable, hein ? Alors, à l'unanimité de l'équipe, Charles VII. Vous m'avez dit Charles VII. Nous allons ensemble vérifier la réponse pour Montreau. Est-ce qu'elle apparaît à l'écran ? C'est Charles VII ! De plus donc pour Montreux, 12 pour Montreux et 7 pour Provins. C'est à vous, Jean-Pierre. Bien, merci Anna Perfit. Nous allons présenter ceux qui, à vos côtés, vont défendre la ville de Provins. Bonsoir, monsieur, qui êtes-vous ? Patrick Desneiges, qui est cadre supérieur dans une entreprise provinoise. Puis Laurent Deprez, qui est journaliste. Et Serge Robert, qui est professeur au lycée Thibault de Champagne. Voilà, donc les présentations sont faites. Donc vous le savez, 1 ou 3 points, plusieurs catégories. Je vous laisse prendre la décision, monsieur Perfit. Alors au point où nous en sommes, il faut jouer le tout pour le tout. On prend 3 points. Très bien. Dans quelle catégorie ? On va commencer par agriculture. Agriculture, enveloppe 1 ou enveloppe 2 ? 1. 1. 3 points, agriculture, Nathalie, enveloppe 1. Voici la question. Merci beaucoup. Imaginez, pour transporter, je cite, 2 cultivateurs en sabots, 50 kilos de pommes de terre ou un tonnelet à une vitesse de 60 km/h. S'agit-il de la coccinelle, de la 4 chevaux, de la Ford T ou de la 2 chevaux ? Imaginez, pour transporter 2 cultivateurs en sabots, 50 kilos de pommes de terre ou un tonnelet à une vitesse de 60 km/h. C'est ce qu'on disait au départ. S'agissait-il de la coccinelle, de la Ford T, de la 4 chevaux ou de la 2 chevaux ? Attention pour 3 points. Monsieur le maire. Je dirais 2 chevaux. 2 chevaux. Attention, regardez votre écran. C'est la... 2 chevaux. 3 points. Les scores, Olivier. Eh bien, le score est de 12 toujours pour Montreux, mais de 10 maintenant pour Provins. Monsieur le maire, 10 à 12, qu'est-ce que vous prenez ? C'est à vous, à nouveau, Alain Perfit. Pardon ? 10 à 12. 12 pour Montreux, donc je suppose que vous prenez une question à... À 3. Oui. 3 points. Hein. Quelle discipline ? Sport. Sport. Enveloppe 1, enveloppe 2. 2. 2. Sport. Nathalie, enveloppe 2. Couvrez-vous parce que vous tremblez. Oui, hein, Nathalie, j'ai un petit peu froid, là. Oui. En sport, voici la question pour 3 points qui peut permettre de changer la situation. En 1988... Harry Vatanen faillit être disqualifié du Paris-Dakar. Pourquoi ? Sa voiture fut volée et retrouvée peu avant le départ. Il a été en panne d'essence à 4 km de l'arrivée et fut remorqué par un chameau. Il ramena 2 concurrents accidentés dans sa voiture ou il persista à garder une marque publicitaire pour les cigarettes, ce qui était prohibé. Pourquoi ? S'il vous plaît, on ne souffle pas, c'est trop important, car silence, tout peut basculer. Fatale. La réponse d'Alain Perfit. On lui a volé sa voiture. On lui a volé sa voiture, attention, regardez votre écran. La réponse. Ah. Oui, bonne réponse. On est en tête. On est en
vient passer en tête d'un point, 13 pour Provins et 12 pour Montreux. C'est à Montreux. Oui, alors là, la situation est évidemment délicate. Nous aurions dû tout à l'heure choisir 3 points. Nous ne l'avons pas fait. Maintenant, la prudence n'est plus de mise parce que moi, je pose une question. Que se passe-t-il si nous sommes à égalité dans quelques instants? Parce qu'on peut, après tout, choisir aussi un point. Bon, que se passe-t-il? Il y a des tirs au but. Il n'y a pas de tir au but. Vous savez bien que c'est les deux meilleurs scores de la saison qui iront en finale à Paris. Donc, il faut mettre le plus de points possible. Donc, l'avantage là, c'est que Montreux peut essayer d'agrandir son score de 3 points et peut-être de faire un pas vers la finale. Votre décision. Monsieur le maire, là encore, c'est à vous de décider. Alors, vous savez, à Montreux, on a du panache. Points. Bravo! Ouais. C'est ce qu'il fallait faire, ça au moins ça a de l'allure. Et on va jouer 3 points sur le sport. Sur le sport. Que les dieux soient avec nous. Il ne reste plus qu'une question de sport. Une seule question de sport, vous n'avez pas le choix. Je vais donc vous la lire. Tout se joue sur cette question. Absolument. Fabrice. Éric Liddell, aux Jeux Olympiques de Paris en 1924, refusa de courir le 100 mètres. Il était seul qualifié, donc automatiquement champion olympique. C'est une proposition. Il refusa, étant pasteur, de courir le dimanche. On annonça qu'à l'arrivée de la finale, un test antidopage serait effectué, où il marqua le deuil de la mort du roi d'Angleterre, Édouard VII. Nous sommes en 1924. Qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, c'est ça. Non, j'ai tout donné. Non, il y avait des cas. Alors, on va vous parler des chariots de feu. Étant pasteur, il refusa de courir le dimanche. Regardons ensemble. Étant pasteur, il refusa de courir le dimanche. C'est la bonne réponse. Et c'est la victoire pour Montreux. Victoire du panache et du courage, Jean-Pierre. Je crois que... Bravo, bravo. J'aimerais demander à Alain Perfitte de féliciter comme il se doit la ville de Montreux, monsieur le maire. Et le remercier de son hospitalité. C'est très égal. Vous avez gagné. Nous avons été égaux pour les jeux intellectuels, mais vous avez gagné au total. Merci à vous, merci de votre accueil pour cette première d'Interville. Merci aux deux maires. J'ai quelques précisions à vous donner concernant les cadeaux que j'ai faits aux représentants Guillaume de la ville de Provins. Pour ce qui concerne le Gap Boy et les Jojos, si vous voulez en gagner, eh bien, il vous suffit de faire le 3615 code TF1 et de téléphoner au 36 68 18 08. Je vous confirme bien que ce soir, c'est la ville de Montreux qui l'emporte. Chaque membre de l'équipe gagne un abonnement au magazine Télé Loisirs. Et nous allons maintenant tirer au sort des enveloppes grâce à Télé Loisirs pour offrir 50 000 francs aux personnes qui ont misé sur la ville de Montreux. C'est à vous, Fabrice, s'il vous plaît, de le faire. Fabrice. Il faut choisir trois enveloppes. Des enveloppes. Il faut choisir. Des enveloppes, Fabrice. Oui. Combien d'enveloppes, Jean-Pierre? Combien d'enveloppes, Jean-Pierre? Trois enveloppes. Trois enveloppes que je tire au sort. Oui, s'il vous plaît. Trois enveloppes. Je suis un peu ému par première la victoire, vous savez. Première enveloppe, 30 000 francs. Allons-y, la lecture, s'il vous plaît. Alors, la première enveloppe, c'est Monsieur Bio. Madame Bio, Jeanne. Oui, je confirme, Madame Jeanne Bio, qui habite la Seine-Saint-Cloud. Exactement. Bon. Deuxième enveloppe. Deuxième enveloppe pour la somme de 10 000 francs. Fabrice. Je vous donne ça tout de suite. Un peu de calme, je vous prie. Il s'agit de Madame Simone Bru de Bourges. Madame Simone Bru de Bourges. Et troisième enveloppe pour 10 000 francs aussi, s'il vous plaît. Troisième Catherine enveloppe. Bovins d'Aigreville. C'est dans le 77, c'est-à-dire dans la région, je crois. Oh, on se calme. Eh bien, la semaine prochaine, ce sera la deuxième d'Interville. La semaine prochaine, ce sera la deuxième d'Interville avec Marseille-Cassis. Si vous voulez gagner 30 000 francs offerts par notre partenaire presse, eh bien, vous pariez dès maintenant sur votre ville en envoyant des enveloppes à l'une des deux adresses indiquées sur le bulletin que vous trouverez cette semaine dans le magazine Télé Loisirs. Avec les supermarchés Stock, nous continuerons bien sûr à aider l'association Pas d'enfants sans vacances. Télé Loisirs TF1, Interville Marseille.
boîte postale 85 78 611 de Pérez Sedex. Et Téléloisirs pour Cassis, boîte postale 86 68 611 Le Pérez Sedex. Merci à toutes et à tous. Merci à Provin pour son accueil. Et à la semaine prochaine en direct de Marseille. Avec le magazine Télé Loisirs.